pour la part 2, donc comment créer une map. Donc on était rendu à l'outil classe pour ceux qui avaient suivi la vidéo numéro 1. Donc la classe d'armure ici, donc vous pouvez, comme je les ai nommés, comme vous pouvez, c'est important d'avoir un nom différent pour chaque catégorie, même si vous n'utilisez pas les autres. Dans la catégorie, donc en appuyant sur X, donc comme je disais, on peut choisir les armes pour 1, 2 et 3. L'arme de poing qui se trouve être le fusil ou un lance-roquette, quelque chose comme ça, on a le choix de choisir. L'arme de main nue, c'est à savoir si on a oui ou non un poing américain. Corps à corps, c'est les pelles, etc. etc. Munitions, bah celle-ci, c'est les munitions pour les armes de poing, les armes spéciales, calibre 50, etc. etc. Pour les lanceurs, vous avez des armes, des munitions spéciales, donc c'est des submunitions. Les munitions lance-roquettes. Les submunitions, les munitions incendiaires. Les submunitions, c'est des genres de choses qui se grogent dans les airs, puis qui tombent, puis qui explosent. Munitions incendiaires, c'est le même principe, mais qui fait des étincelles dès qu'il allume un feu. Ensuite, mitraillette légère, etc. Ensuite, les munitions de corps à corps, c'est le nombre d'objets de corps à corps que vous avez. Donc, si vous avez mis une pelle, c'est le nombre de pelles que vous allez avoir. À titre d'exemple, donc, exemple de corps à corps, si vous choisissez un tuyau. Ici, si vous choisissez, mettons, une pelle. Bon, corps à corps, les munitions de corps à corps, ça va être le nombre de tuyaux ou de pelles que vous allez vendre. Vous pouvez choisir le nombre que vous voulez. Les armes à lancer, c'est les types de choses que vous allez offrir aux joueurs comme possibilité, donc le nombre de grenades. Donc, exemple, 3 grenades, je sais pas, 3 bâtons de dynamite. C'est votre choix. Tout dépendant du type de catégorie. Essayez d'y aller d'une façon intelligente. Donc, si vous faites un jeu d'espionnage, admettons, puis que, je sais pas, l'agent, c'est un jeu d'infiltration. Ben, quelqu'un qui fait de l'infiltration n'a pas de grenade. C'est par principe logique. Essayez de penser d'une façon logique. Donc, on va parler d'une personne qui peut se servir d'appât, une personne qui peut lancer des pierres pour divertir l'adversaire, à titre d'exemple. Donc, vous pourrez leur donner des pierres, à titre d'exemple. Ou une grenade fumigène, là, juste pour pouvoir, disons, aveugler les ennemis, je trouve de même. Couteau à lancer, ce serait un espion qui avance, genre à la Splinter Cell. Donc, ce serait le genre d'arme qu'on mettrait, à titre d'exemple. À titre d'exemple, je sais pas, moi personnellement, je sais pas. Mettons qu'on ferait, mettons, un jeu de. Je sais pas, le sniper, mettons, fusil 50. C'est des calibres 50, je me trompe pas. Et ensuite, on peut choisir un 80, un P54, je me trompe pas. Choisir si on veut mettre un silencieux, pas de silencieux, quel genre de lunettes par défaut, lunettes longue portée, etc. On peut mettre une chose avec un chat. Donc, c'est un choix qui vous appartient à choisir, mais essayez d'y aller intelligemment en fonction de ce que vous allez créer. Fait que ça, mettons, mon personnage ici, là, j'avais marqué PNJ, on va changer ça pour, je sais pas. On va l'appeler l'infiltrateur. Mettons. Donc l'infiltrateur, ça serait une personne qui avancerait doucement avec des armes, disons, on va y aller avec un fusil, plutôt une petite mitraillette légère, genre un MP5, mettons, avec un silencieux. Ensuite, détails de la carte. Là, on a vraiment fait le tour ici, je pense. On va regarder juste pour être sûr. Ah oui, il y a des équipements. Donc, vous pouvez choisir si le personnage possède une jumelle, parachute, windsuit, grappin et le chalumeau. Donc, chalumeau pour réparer les véhicules. Grappin pour grimper. Donc, si vous faites un jeu avec comme j'avais dit, dans objet de jeu. Oups. Oh, t'en vas où, là? On recommence ça. Objet. Jouabilité. Dans R. Escalade. Donc, rebord à monter. Attends que vous auriez mis une chose pour pouvoir escalader. C'est sûr que dans votre jeu, vous allez être obligé, dans l'infiltrateur, dans l'équipement, de penser à mettre le grappin. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser ce que vous avez mis en jeu pour escalader. Jumelle si vous voulez voir au loin. Parachute si vous pensez faire des choses qui vont permettre aux personnes de sauter de très haut. Windsuit, etc.
Santé maintenant, vous pouvez choisir si vous voulez que le personnage commence avec ou non des provisions de santé. Et si vous voulez qu'il commence avec un gilet pare-balles ou non. C'est votre choix. Mais vu que c'est un agent spécial, on va lui dire qu'il est intelligent, il est parti avec une trousse de secours. Puis il y a déjà une protection sur le dos. Les stimulants, c'est la même chose, vous pouvez rajouter des stimulants, donc face pour aller plus vite. Furious, c'est un peu un genre de mode rage. Chasseur ultime, ça lui permet de voir les animaux au loin. Survivant ultime, même chose, ça peut être le même site. Fait qu'on a fait le tour pour ce qui est des classes. Donc on se sent bien, il reste plus grand chose. Donc les détails de la carte. Détails de la carte. Ici, vous allez pouvoir choisir. Ça maintenant, vous décidez de changer le type de jeu que vous voulez faire, parce qu'on avait commencé ici avec un mode de type assaut. Vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas que si vous le faites, tous les personnages, dans toutes les PNJ que vous avez mis en jeu, vont disparaître. Donc, il faudrait que vous réinstallez la totalité des PNJ en jeu. Donc, c'est un choix que je vous conseille de faire au départ et non pas après, parce que là, vous allez devoir reconfigurer les zones de chaque personnage, etc., etc. Prendre la photo, c'est la photo dans le fond qu'on prend pour le jeu. C'est tout simplement. Excusez. Et finalement, le marquage manuel, ça indique dans le fond quelle sorte de jeu vous allez faire. C'est une chose qui est importante aussi parce que ça indique aux joueurs quel genre de jeu vous avez créé pour eux. Donc ici, on parle d'un genre de jeu de type. Non pas chaotique, Far Cry Primal, non. On monte un jeu en test. C'est juste exactement ce que c'est. N'oubliez pas une chose importante, une fois de temps en temps, d'appuyer sur Option pour aller en gérer et d'enregistrer votre carte parce que la carte ne s'enregistre pas manuellement. Donc si vous avez travaillé pendant une demi-heure sur beaucoup de choses puis que vous perdez la totalité de ces 30 minutes de travail, vous risquez de pleurer. Des consoles qui plantent, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors on continue maintenant avec le prendre une photo. Il n'y a pas grand-chose à apprendre à part suivre les instructions qui est à gauche. Donc prendre une photo, vous appuyez sur R2. À part de ça, effacer la photo L2. Donc, si vous voulez prendre une nouvelle photo. Deuxièmement, si vous êtes, admettons, très 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 loin et que vous voulez revenir où ce qui était, où vous avez pris votre photo, vous appuyez sur carré. Vous allez pouvoir ainsi être proche de où ce que vous avez pris votre photo. Qui, dans le fond, devrait être d'une façon logique à peu près le départ de votre jeu, même si vous pouvez prendre la photo de votre choix. Vous pouvez vous amuser à faire des montages pour prendre votre photo. Genre, si vous voulez faire un titre, comme je l'ai fait à titre d'exemple pour Silent Hill, vous allez mettre en hauteur un peu dans Objet, dans Forme et Base, dans Indestructible, Chiffres et Lettres. Donc, vous allez choisir, dans le fond, le titre de votre map. Ne changez pas la forme des lettres. Laissez-les comme calées par défaut. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Écrivez directement à partir du sol ce que vous voulez marquer. Exemple, vous voulez marquer, je sais pas, moi, test. Vous allez dire, ouais, mais c'est long! Mais c'est ça la vie, c'est un jeu. Les mystères de map, c'est ça, ça prend du temps. Un titre d'exemple, Silent Hill, ça m'a pris environ plus de 120 heures de travail, environ quasiment 2 semaines. Ça fait partie de la vie. Il faut se donner de la patience. Donc, test à titre d'exemple. Parce que comme j'ai dit, je vous apprends comment se servir des. Je vous apprends les outils, mais autre que ça, je vous donne mes petits trucs personnels. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'utilises pas? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais compte, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est l'eau. Ah, c'est l'eau, d'accord, Alice. C'est une nice, hein? Est-ce qu'elle fait chier, ça? Et, des fois, ça arrive que l'eau prend tout le dessus. Elle a un pouvoir d'attraction, cette eau-là, qui est comme de trop. Donc. C'est sûr que quand vous travaillez sur les lettres, mettez la vitesse de la caméra au minimum. Parce que sinon, vous allez flipper bien avec une caméra qui est à 5. Là, vous allez vous arracher la tête. Une affaire de fucking malade. Bon, mon conseil, c'est de sélectionner tout simplement. Ok, pour sélectionner, ça, je ne l'ai pas appris.
qu'il y a des petites choses que je vais vous montrer. C'est que vous maintenez L2, ça va faire apparaître un cercle. Et avec le joystick gauche, donc, ou left si vous préférez, vous allez ratisser dans le fond la grandeur du cercle de saisie. Il faut dans le fond que ce que vous voulez saisir soit dans ce cercle-là. Il vient en jaune comme vous le voyez. Vous lâchez L2 et ensuite cliquez sur X pour sélectionner. Là, mon petit truc à partir de là, c'est que vous avez deux possibilités. Vous pouvez peser sur carré pour sélectionner tous les items et choisir propriétés et ainsi texturer toutes les lettres ensemble au lieu de texturer seulement une partie des lettres. Ce qui va être beaucoup plus rapide que de coloriser une lettre à la fois. Ce qui est quand même assez logique. On s'entend, tu sais. C'est logique. On peut pas être plus logique que ça. Donc, mon truc à moi, je vais vous montrer ce que je fais pour donner du relief, si je peux dire. Ici, on va l'écrire genre en blanc sur fond orange. Donc, ça va donner. Ici, j'ai mon fond orange. Je vais chercher mon blanc avant en premier. Parce que je vais le mettre en arrière-fond. Ou je vais faire de l'ombre, c'est comme je veux, dans le fond. On va mettre chrome plutôt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ressaisir mes lettres. Mais cette fois-ci, je vais. Une fois saisi toutes les lettres, je vais cliquer sur le bouton droit, ce qui va doubler les lettres. Je vais maintenir R1 et je vais monter mes lettres. Donc on voit qu'on est au-dessus des autres lettres. Et on va venir décaler une petite affaire juste pour créer un effet d'ombre. Mais cette fois-ci, cette zone-là, donc ces lettres-là, on va les changer de couleur. Oh, il a désélectionné mon affaire. Je m'excuse, on va recommencer. Je vais repositionner. On va reprendre les lettres du dessus seulement. Et on va faire la même manip, puis on va appuyer sur carré, propriété. Et on va changer les lettres du dessus. Et ainsi aller chercher la couleur de votre choix. Moi, je décide que ça va être. Je sais pas. Genre de rouge, orange. Orangé sur fond blanc. Oh, mais ben, un genre de gold. Si ça vous convient, vous prenez tout l'ensemble de ce que vous avez là. Vous appuyez sur X. Et cette fois-ci, on va appuyer sur Modifier les coordonnées. On va aller dans les axes de rotation. On va l'avoir à mes doigts. On va monter ça, 1, 2, au minimum. Et on va tourner ça ici, comme qu'on veut. Pour ensuite, ça dépend de quel angle, avec la maison. Mettons si on veut l'avoir avec la maison un petit peu. Test. De ça, on va pouvoir prendre un personnage au hasard. Pour être plus précis, on va prendre un personnage. C'est bien important de prendre un personnage de la vague 1. Pour qu'on puisse voir l'apparence visuelle du personnage. Hein, mettons qu'on prend un cowboy, mettons. On va le monter un petit peu, on va le mettre à hauteur un peu du test, on va le mettre à côté, ou un petit peu en avant. On va se mettre en mode photo, on va se rapprocher un peu. Et là, on peut s'amuser à positionner notre personnage comme on veut. Là, je vais l'avoir un petit peu plus de côté. Bon, je vais vraiment de photos. Test. Prendre des photos, c'est vrai, c'est mieux que prendre une caméra qui est très lente parce que sinon, si ça va trop vite, vous allez vous perdre. Si je peux aller ça comme ça. Test. Non, c'est moyen. Test. On se lève un petit peu plus bas après. Test. En soi. C'est un exemple dans le fond de ce que vous pouvez faire du lettrage pour faire ça. Sachez que quand que vous allez faire disparaître les lettres, par exemple, je fais disparaître les lettres ici, hein, on va tout faire disparaître. La photo, elle va toujours rester telle quelle. Donc, ça dérange absolument pas si vous faites une photo comme ça, parce que c'est enregistré comme une image, et cette image-là est stockée. Et donc, que vous ayez les lettres ou non, ça n'apparaîtra pas. Sachez par contre que quand vous allez commencer le jeu,
si vous avez où est-ce que vous avez pris votre photo. Donc ici, c'est dans cette zone-là qui va apparaître le cercle qu'on voit lorsqu'on commence le jeu. Donc quand on fait jouer, on ne le voit pas par contre quand on est en mode d'éditation de la map. Mais tout ce qui est en noir, lorsqu'on voit autour du cercle, ça va être dans le fond l'image, dans le fond de où est-ce qu'on a pris la photo de la caméra. Donc c'est l'arrière-fond, ça va être ça. Donc si vous voulez faire un arrière-fond qui est unique par rapport au cercle que vous voyez dans le milieu, prenez en considération cette réalité-là, c'est que où est-ce que vous avez pris votre photo. C'est exactement là que commence le jeu. Mais est-ce que c'est un bandit? Fait que ça, c'est pour les photos. Il me reste maintenant à voir les environnements et l'audio. Excusez. Une phase non négligeable. On va commencer par en haut, le cycle jour et nuit, qui se trouve à être, dans le fond, ça dit qu'est-ce que c'est. Donc, c'est le jour et la nuit. Ça indique, dans le fond, que c'est l'heure, dans le fond, qu'on veut choisir. On est quand même pas fou. Mais on va dire, mais bien sûr que c'est ça. Donc, l'heure en question, c'est une question de choix. En elle-même, l'heure n'a pas vraiment d'influence, à l'exception d'une seule chose. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir comme influence. L'heure va avoir une influence surtout si vous mettez du brouillard, okay, ou si vous mettez des éléments tels que dans audiovisuel, dans visuel, dans effet, exemple de fumée. Je vais mettre de la fumée ici. Je vais en mettre une couple juste pour que ce soit plus apparent. On fait exprès d'en mettre beaucoup pour que vous voyez correctement. La fumée va avoir un. La lumière va avoir un impact sur certains éléments tels que la fumée. À titre d'exemple, si je m'en vais chercher. La fumée peut changer de couleur, prendre une apparence assez spéciale en rapport avec la lumière. Si vous jouez avec certains éléments, et surtout certains angles de la lune, exemple la nuit, mettez une lune très forte avec un angle bien précis. L'ensemble de cette réalité-là peut avoir une influence directe sur les éléments tels que le brouillard, la fumée ou peu importe. Un exemple que je peux donner, si on prend un brouillard, par défaut, vous le voyez, c'est fait comme ça. Si vous voulez, prenez-le en note parce que si vous faites des changements là, ben vous vous en rappellerez peut-être pas plus. Si vous voulez revenir en arrière, ben il n'y a pas de bouton pour faire remise à niveau. Vous pouvez pas faire revenir comme c'était avant. C'est impossible, malheureusement. Donc, je vais juste faire disparaître ce brouillard-là. On va juste parler du brouillard avant de parler des effets spéciaux. Excusez. Mais on va continuer. On va finir avant ce qu'on avait commencé. Donc, l'heure de la journée, on le voit, c'est en haut. Ça l'indique, c'est clair. C'est pas trop compliqué à savoir. Ensuite, on a les minutes pour ajouter plus en conséquence. La latitude, c'est dans le fond, c'est la hauteur du soleil. Si on peut voir le soleil, où est-il, le soleil? Soleil, où est-il? Ici. Donc, on voit ici la latitude, donc c'est la hauteur que prend la position du soleil. On voit bien ici qu'il monte ou qu'il descend. Donc, en conséquence de cette hauteur-là, vous allez pouvoir acheter ainsi les jeux d'ombre et de lumière. Dans Far Cry 5, maintenant, dans l'éditeur de map, il y a une option que vous allez voir tantôt qui permet de faire en sorte que lorsque la lumière, justement, quand le soleil est placé dans un angle bien précis et que les rayons du soleil frappent à travers les arbres, qui se trouve être une option qui est dans nuage, je me trompe pas. Ici, lumière passive du soleil, ça fait en sorte que on voit justement que les rayons qui passent à travers le soleil. Donc, c'est ces fameux rayons de lumière. Donc, on peut le mettre à on ou à off. Donc, il y a différents degrés. Land effect sun height, land effect sun low ou medium, c'est un choix. Ou le type sunset. C'est un choix qui nous appartient.
voit un peu la différence visuelle. On va essayer de voir un peu à travers. Médium, on voit pas bien ici. Ça, c'est une partie supplémentaire à savoir. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi c'était mis dans le temps. Ça aurait dû être mis plutôt dans. On voit un peu l'effet ici, là. Un peu moins bien, mais on le voit un peu. Même chose pour la Lune, c'est pareil, Métar, Nouaf, etc. On va revenir à cycle du jour de la nuit. Donc, selon la latitude et la hauteur, donc cette fonction-là va prendre une tournure plutôt intéressante par moment, des fois plus ou moins intéressante. Finalement, il y a l'angle lunaire. Là, on le voit en regardant en haut. L'angle. Donc, ça, c'est l'angle dans le fond de la Lune. Mais là, vu qu'on n'est pas la nuit, on ne pourra pas le voir. On va le mettre le soir. Où es-tu, petite Lune? Lune, où es-tu? Je sais pas. On va faire la latitude. Ok, la Lune est là. Voilà. Donc, l'angle de la Lune, c'est dans le fond la direction qu'elle est. Dans l'espace, à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, selon l'effet que vous voulez donner, bien, ça va changer évidemment les jeux d'ombre, les jeux de lumière. Donc, c'est un choix à prendre. Ça, c'est quelque chose qui est personnel à vous. Mais comme je l'ai dit, la phase lunaire, elle, c'est selon, c'est croissant, décroissant. La taille de la Lune. C'est un choix qui vous appartient. Des fois, la Lune, ça arrive qu'elle apparaît plus grosse. Finalement, il y a la couleur en elle-même, donc la couleur. Donc, ça peut. La couleur que peut avoir l'effet visuel de la lumière en jeu. Donc, vous pouvez effectuer ça ici, directement ici. Donc, rouge, plus moyen, plus vert, etc. Donc, ça dépend si vous faites des jeux dans le genre de l'espace. En général, ils vont utiliser des tons plus bleuâtrés. C'est un choix encore là qui vous appartient. C'est sûr que ça change beaucoup de choses. Ici, on est dans un milieu naturel, donc on va le laisser par défaut. Donc, on va le laisser à zéro. Maintenant, on va parler de l'occlusion. Ici, on paramètre pré-enregistré, donc intérieur. Intérieur 1, intérieur 2. Donc, si vous faites des jeux qui sont à l'intérieur, vous pouvez préconfigurer ça de façon telle à ce que ça fonctionne, et ce qui configure par défaut. Par contre, dans le moment présent, comme j'ai dit tantôt, lorsqu'on va, juste un instant, je vais sortir d'ici, lorsqu'on s'en va dans Objet, dans Audiovisuel, dans Visuel, dans Volume, comme j'ai dit tantôt, le volume de luminescence, il y a un bug. Ça fonctionne pas bien. Ubisoft, elle, fait quelque chose, merci. Parce que par défaut, ça devrait être. On va juste agrandir un petit peu. On va même le monter un peu. Par défaut, si on est à l'intérieur de cette zone-là, la couleur, je ne vois pas bien, devrait changer en fonction de ce que c'est. Mettons que je choisis un, mettons 6, intérieur 6. Lorsque je joue, ça serait supposé devenir noir, comme si on serait dans une grotte. Mais malheureusement, il y a un bug. Ça change rien pantoute. C'est ridicule. Mais qu'Ubisoft fait changer ça, puis que ça fonctionne, qu'il se réveille. Excusez, si je suis un peu direct, mais c'est ça pareil. Ben, vous allez pouvoir profiter de cette fonction-là. Honnêtement, j'avais pas le décor de la Lune avec l'effet d'un peu de lumière sur le fusil. Et voilà. Donc, on revient en jeu.
ou plutôt dans l'éditeur de map. Donc, cette fonction-là se retrouve en partie, j'ai mis ça pour une simple raison, c'est que dans, on y était dans cycle jour et nuit, c'est que cette fonction, on la retrouve en partie ici. Intérieur, extérieur, mais malheureusement, elle a le même défaut. On voit bien que même si je le change, ça ne change ni la couleur, ni rien, absolument rien. Il va falloir que j'écrive à Ubisoft encore une fois pour leur dire que de corriger leurs erreurs. C'est triste, mais c'est ça. Et qu'on ne s'attendrait pas à cette partie-là, qui a pour fonction de faire en sorte qu'on a cette impression-là d'être à l'intérieur d'un endroit, avec un niveau plus ou moins élevé de luminescence. Donc, on parle de 1 où c'est un peu clair, et par le plus fort à l'intérieur, là, qui est de 8, là, on parle, c'est très foncé, faudrait avoir une flashlight pour avancer. Sauf que malheureusement, il n'y a pas non plus. Mais ça, sachez que j'ai déjà écrit Ubisoft par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que je leur ai demandé. Je ne sais pas s'ils vont le réaliser. J'ai demandé de rajouter des flashlights. Beaucoup de choses, dans le fond, qui existent en jeu, mais qu'on ne peut pas utiliser d'une façon manuelle, donc par nous-mêmes. Donc, s'ils sont assez fins, ils vont le faire. Et Dieu sait, j'aimerais ça qu'ils fassent. Parce qu'avec la flashlight, on pourrait créer encore plus d'éléments de surprise, créer des éléments dans le noir. Puis avancer délicatement avec une flashlight, ça serait assez extraordinaire pour faire des jeux d'horreur ou d'autres styles de jeux similaires. Je leur ai demandé aussi de travailler sur certains bugs, mais ce bug-là, j'avais oublié d'en parler. Il va falloir que, comme j'ai dit, que je réécris par rapport à ça. Fait qu'on ne s'attendra pas à ça aujourd'hui. Je vous explique quand même ce que c'est. Donc, le jour qu'on corrige le bug, vous allez comprendre à quoi ça sert. Maintenant, on parlait ici de l'occlusion. L'occlusion, c'est quoi? C'est l'effet, dans le fond, de la lumière en fonction. Comment j'expliquerais ça? C'est dur d'expliquer un peu. Dans le fond, c'est la façon que la lumière agit en fonction de l'heure que vous avez choisi. Donc, si vous choisissez une occlusion, comme ici, il est 21 h, et choisi 1, ça devient assez foncé à comparer que si j'aurais fait une occlusion qui est de 1. On voit que c'est plus clair, un peu plus de luminescence. On voit une différence. Il faut prendre en considération une chose très importante, c'est que là, je l'ai mis à 1. Je vais vous donner un exemple. Je vais le remettre à 1. Je vais aller en mode jeu. Donc, excusez, j'ai baissé sur mon piton. Quand on est dans l'éditeur de map, vous ne voyez pas nécessairement toujours ce que vous voyez en jeu. Exemple, là, j'ai pris l'occlusion 1. Ça donne ça visuellement. Je vais retourner dans l'éditeur de map. Retourner ici. On va mettre l'occlusion maintenant au plus bas à 0.01. Vous allez voir que lorsqu'on rentre dedans, explorer le jeu. C'est plus foncé. En tout cas, c'est supposé d'être plus foncé. Bon, il va commencer à me faire chier. T'as-tu vraiment un bug là? Il va falloir vraiment j'écrive à Ubisoft là, parce que, en tout cas, ça serait supposé d'être plus foncé. Mais ça a l'air que, je sais pas, il y a un bug là. Tabarnak, ça fait dur. Ubisoft! What the fuck? On voit l'effet visuel là, un peu quand je le déplace. Ça serait supposé de rester comme ça. Mais je sais pas pour quelle raison, ça ne reste pas comme ça. Selon l'heure, ben, du jour et de la nuit. Ça avait une certaine influence. C'est comme ça que j'ai fait Silent Hill, justement, en fonction de l'occlusion. J'ai réussi à faire un dark assez très foncé. On va s'attarder maintenant. Excusez, je me promène par accident. Je ne savais pas où ce que j'avais. On va aller dans le temps. Dans le temps, le ciel par défaut, c'est tout simplement ce que vous voyez. Ensuite, vous pouvez choisir des temps. Le temps, le ciel, lui, a pour effectif, dans le fond, de changer, dans le fond, l'apparence visuelle. Moi, je dirais plus les couleurs du jeu, plus que d'autres choses. C'est important d'attendre quelques secondes avant d'avoir l'effet visuel total de ce que ça donne. Parce que c'est le temps qui soit pris en charge, si je peux m'exprimer ici. Il faut prendre en considération que le temps que vous choisissez, donc atmosphère paisible, avec une heure qui n'est comme 15 heures, à titre d'exemple, donnera pas le même effet que si vous avez choisi une autre arme. Ici, l'occlusion, on va le remettre par défaut. On va revenir dans atmosphère paisible. Je vois pas ce qu'il y a de paisible là-dedans.
Brume. Est-ce que je capote ou j'ai mis 15 heures? Mais il est étrange ce jeu. Est-ce que vous pouvez, ben, excusez, c'est parce que je vois qu'il y a tellement de bugs, si ça n'a pas un esti de bon sens. Il va falloir faire que j'écrive à Ubisoft, ça n'a pas un esti d'allure. Excusez. Carnage, donc vous avez dû faire un champ dynamique, qu'est-ce qu'il y a d'orange, désertique. Il va falloir que tu m'expliques, Steven, pourquoi tu viens foncer de même. Il est 14 h de l'après-midi, non? On est en plein après-midi, chose. Tu capotes en esti, mon homme. Sérieux, là, je sais pas, tu capotes, man. Excuse. Désolé, les amis, c'est juste parce que ça me fait un peu flipper de voir les affaires dans la main, là. Ah oui, c'est parce que j'avais baissé mon. Ça fait, je comprends que tu vois, non? À zéro. Même encore là, je comprends absolument rien. Aïe, aïe, capote, aussi. Si je mets la latitude très bas. Ok, maintenant que j'ai rien dit. C'est de ma faute, j'avais mis ça de mauvaise façon. D'accord, c'est de ma faute, j'avais mal placé les choses. Et où est-il ce soleil? Je sais même plus ce qu'il y a en vue. Mais où est-il ce soleil? Si l'on met là, ça devrait être là. Peu importe. Bon. On t'est rendu à temps. On va dire que ça, c'est des articles. Hein. Un temps qui est considéré aux autres pour comme si on serait dans l'espace. Je vois pas le rapport avec l'espace. Mais en tout cas. Personnellement, c'est le genre de choses que personnellement j'utilise très rarement. Je trouve que ça donne des couleurs trop bizarres par moment. Seule chose que je peux utiliser à l'intérieur d'ailleurs, qui m'est arrivé d'utiliser, c'est. C'était Film, si je me trompe pas. Pas Jacob. Nuit paisible, paradis, licorne, pain, pain, intoxiqué, violent. C'était par défaut, c'était Film, si je me trompe pas. Brumeux, carnage, où est-ce? J'arrive pas à le trouver, excusez. Si ça bouge, les lumières, je suis désolé. C'est fatigant pour les yeux. En tout cas, on va l'en mettre par défaut. On va arrêter de niaiser. Hein. Je vais arranger mon ciel. Là. Je n'aimais pas cette couleur, mais c'est. Merci, ça me. Maintenant, les nuages, les types de nuages. Vous choisissez le type de nuage que vous voulez. Vous avez différents types de nuages en fonction de ce que vous voulez créer. C'est un choix qui vous appartient. Toujours dans nuages, on a aussi la possibilité de choisir la hauteur des nuages, donc c'est plus bas. Aussi, les nuages seront plus hauts. La fonction de la hauteur des nuages a pour effet de créer un effet. Comment je pourrais m'exprimer ici? De longitude, sais. Donc ça donne l'impression qu'on est plus loin, plus haut, et que ça fait comme plus grand, plus large, etc. Ensuite, si on a le nombre du nuage, à savoir est-ce qu'on veut que ce soit un couvert, nuageux, quelques nuages, ou standard. Standard, ce qu'on va faire, c'est que graduellement, les nuages qui sont au-dessus, tout dépendant que vous avez choisi comme nuage, vous allez voir des moments où ça va être de l'ombre, des moments où il n'y a pas d'ombre, etc.
Ensuite, la force du vent. On va le voir ici. Par le gazon. Plus que vous allez mettre du vent fort, plus que ça va siffler. Possibilité d'aller jusqu'à 100 km/h. La tempête, ça dit, donc à savoir. Ce qui était le fun à l'époque, c'est qu'on pouvait choisir en différents degrés, savoir qu'il pleut, il pleut un petit peu, plus fort, grosse tempête tropicale. Mais plus de ça, aujourd'hui, c'est soit qu'il pleut pas, soit c'est orageux. Ça, c'est une chose que j'ai parlé à Ubisoft aussi, à savoir s'ils pourraient pas faire en sorte qu'on puisse choisir justement l'intensité et aussi la possibilité de choisir avec ou sans neige. Juste l'enlever pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre correctement. Donc vous voyez là, un peu les nuages là, en action là, justement à standard. Là. On voit que le fait que les nuages passent au-dessus. On voit ce jeu d'ombre et de lumière qui se fait. Donc, on est rendu à lumière passive. C'est ce que j'avais parlé tantôt. Savoir si on veut qu'on voit la lumière du soleil ou de la lune. Passer au travers, dans le fond, on voit un peu ce reflet justement qu'on voit ici. Là. Cet effet, on le voit bien ici. Là. Vous voyez les effets un peu. Peut-être on ou off pour cet effet-là. Ensuite, on va aller dans brouillard. Donc, ce que je disais, c'est que j'avais dit à Ubisoft que ce serait bien qu'ils mettent la neige. La possibilité de choisir l'intensité de la neige, la pluie, etc. Comme c'était dans le fond dans Far Cry 2, dans le map éditeur de Far Cry 2, on peut choisir l'intensité de la pluie. Mais ce serait le fun de faire la même chose aussi avec la neige. Parce qu'il nous donne la possibilité de faire des décors de neige, mais un décor de neige sans neige, c'est triste. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce que j'avais proposé. On est rendu maintenant à brouillard, je parle et je parle. Brouillard, le brouillard. L'intensité, donc la base du brouillard, la densité, c'est la 6 qui est dans le fond, au niveau du sol. On va le voir ici. C'est ce qui va se présenter au niveau du sol. On voit ici le brouillard. Par défaut, c'est comme ça, mais c'est des choses qui sont évidemment toutes paramétrables. Donc, oups, excusez, c'est pas ce que je voulais. Donc, si je le remets à 0 par défaut, on va se mettre un petit volume de, disons 0,8. Pour qu'on puisse voir la différence de qu'est-ce que ça fait si on choisit la hauteur du brouillard. Par défaut, c'est 0, donc on peut augmenter cette valeur-là pour la faire monter plus en direction du ciel. On voit qu'elle masque quasiment le ciel. Baisser cette valeur-là pour qu'elle descende et qu'elle aille plus à la hauteur du sol. En augmentant, on va voir. Il faut prendre en considération aussi, on parle de la hauteur minimale, c'est la hauteur maximale. On peut l'augmenter. Donc on la hausse au niveau du sol, parce que c'est plus au niveau du sol qu'on devrait avoir le brouillard, mettons. On va l'augmenter pour qu'on la voie un peu plus. Donc on voit qu'elle se place surtout au niveau du sol et non pas à l'extérieur. Donc c'est de faire un genre de marais. Donc jouer avec ces deux valeurs-là, la hauteur minimale, donc. Pour l'ajuster, dans le fond, à la hauteur que vous voulez. Pour créer cet effet un peu de brouillard là, qui est juste au sol, là, genre. Ça serait le matin, là, justement. Mettons que le matin, on a ça des fois un petit brouillard du matin. Là. Genre à 8 h du matin, 8-9 h du matin. Même 6 h. Oh, j'avais pas cette couleur-là. On va augmenter peut-être un chaud. Peut-être placer un petit peu là. Augmenter peut-être un peu là. Un petit peu là. Vous voyez aussi en même temps, on va arriver à un autre sujet aussi après le brouillard, qui se trouve à être dans le fond le son du jeu. Excusez, mais qu'on va parler ensuite. Là. Ce que je m'en ai dit, c'est que le son, vous voyez que selon en fonction de l'heure que vous choisissez, le son va changer. Si vous avez choisi extérieur de forêt calme, vous avez un extérieur de forêt calme, mais qui est en rapport avec la nuit, le jour, etc. Donc ce son-là va changer.
permet de rajouter un peu de végétation, donner un peu de vie à ce décor. Je vais revenir dans quelques instants. C'est un 2 pour 1 qui va permettre d'avoir aussi l'effet dans le fond. Donc on voit bien la différence. Alors on est rendu toujours dans l'environnement. Donc brouillard. On était rendu ici. Hauteur d'altitude. Vous avez vu un peu ce que ça fait. Donc pour le brouillard à partir de la hauteur du sol. Sachez que autre que la hauteur, vous pouvez choisir la dispersion du brouillard, la façon que le brouillard se disperse, donc plus ou moins intense. On parle aussi de la dissipation du brouillard, de la façon qu'elle va se dissiper. Ensuite, on a l'avancée du brouillard. Je peux pas vraiment expliquer. C'est mieux de le voir visuellement parce que même moi, je suis pas en mesure vraiment d'expliquer l'effet réel de ça, hein. À savoir le recul, etc. Ici, l'interpolation de linéaire du brouillard. C'est la façon que. C'est pour ça que je le parlais, excusez. C'est l'équilibre des couleurs, voilà. Ici, les trois équilibres de couleurs vont permettre de changer, dans le fond, la couleur de votre brouillard. Donc, vous voulez un brouillard, attends, vous faites un brouillard désertique. Vous allez chercher une température un peu plus jaunâtre. C'est ce que je voulais chercher, non pas un vert. Qu'est-ce que j'ai choisi? Ah, c'est le bleu, j'ai pris. Excusez, je me suis trompé. Vous allez pouvoir jouer ici comme ça avec ça, c'est pas tout à fait la couleur que je veux. Ça se rapproche un peu de la couleur que je voulais dans ce cas. Et vous voyez l'effet que lorsqu'on met le brouillard, donc de cet effet que je parlais tantôt, quand vous choisissez dans option nuage et que vous choisissez l'effet light. Si vous en mettez pas, cet effet-là ne sera pas aussi apparent. Donc, on continue maintenant toujours dans le brouillard. Là, on a compris le principe des couleurs. Je vais juste, pour que vous voyez la différence, la base du brouillard densité, on va la mettre à off. Donc on va la mettre à 0. Pour aller plus rapidement, là, vous maintenez R2. Donc c'est même marqué en bas à gauche, là. Maintenez R2, puis choisissez flèche gauche, flèche droite pour augmenter rapide. En bas, en haut, pour choisir tout simplement la chose. Là, si j'ai enlevé le brouillard, c'est parce que je vous fais comprendre qu'il existe la base du brouillard, la densité, mais il existe aussi le sommet du brouillard. Donc le sommet du brouillard, c'est plus qu'est-ce qui est en hauteur, donc qui est au niveau des nuages. Et le principe est le même. C'est que vous avez une hauteur minimale, donc qui va partir du haut par rapport au bas. On va faire l'effet contraire. Et vice versa, là, qui part du bas, qui s'en va haut, là. Donc, c'est une chose, c'est un. Ça, j'ai regardé. Le mieux, c'est de mettre un petit peu plus fort, juste pour que vous voyez un peu mieux. Bon, on voit à peu près l'apparence de ce que ça pourrait ressembler si on le fait comme ça. Si on mélangeait les deux ensemble, qu'est-ce qu'on avait mis tantôt. Ça ferait une apparence un peu. Peut-être un petit peu trop, je peux dire. Ça dépend de ce qu'on veut créer aussi.
C'est une question de choix, évidemment. Donc, dans les couleurs. Voyez, plus comme ça. Pour faire un aspect un peu plus cowboy western, on va dire. Donc très bonne question. Je ne m'en rappelle plus. J'ai pas mon dictionnaire anglais français. Ce que je voulais, c'était une charrette. Comment ça? Chariot. Je sais pas. Il m'a marqué ça même, je sais pas. Cher, c'est pas ça. Je sais pas. Je ne m'en rappelle plus. N'importe. Là, je m'écarte, excusez-moi. Donc, brouillard. On a vu c'est quoi brouillard. On va passer maintenant à montagne. Donc, le fond. Si je choisis, dans le fond, si vous voulez un fond de type alpin, là, c'est sûr qu'avec le brouillard, vous le verrez probablement pas. On voit un peu, on même pas. Non, c'est ça, avec le brouillard, on le verra pas. Fait que j'enlève le brouillard pour que vous puissiez voir. Voyons, bon, ça s'appelle. On va baisser ça ici. Ça, c'est trop. Oh, je me suis trompé de piton. C'est pas ça que je voulais. Qu'est-ce que je voulais? Donc, on est rendu, excusez, dans l'environnement, dans le fond. Il me permet de choisir dans le fond le type d'environnement, donc des fonds alpines, si vous feriez une ville ou un village, donc city. Désert, c'est quoi désert? Ah, c'est ça, okay. Ou les montagnes. Et ça, on va choisir montagne. Ensuite, on a la hauteur du décor, donc plus haut, moins haut. Faites attention par contre, si c'est trop haut, vous allez voir tous les défauts. Donc en dépendant, tout dépendant de ce que vous avez comme possibilité visuelle. Sachez que si vous allez péter une montagne, vous pouvez monter plus haut, mais ils vont voir justement ce défaut-là, si je peux dire. Donc faites attention à ça. Prenez le temps de bien regarder, pour pas que le monde voit ces petites choses. Ensuite, finalement, il y a l'angle de fond, ce qui veut dire qu'on peut choisir, dans le fond, de bouger, dans le fond, l'angle pour choisir qu'est-ce qu'on veut mettre comme décor ou quand, quoi, comment. Donc, je trouvais que par défaut, c'était quand même bien. Ensuite, on a le poste fixe. Ah, je me suis trompé, c'était ici, ok.
Ici, les postes FX, c'est un peu comme les lentilles qu'ils vont utiliser au cinéma pour faire différents effets, dont l'apocalypse, bleu foncé, bleu vert, crépuscule, cyber, dessin animé. Je ne vois pas ce qu'il y a de dessin animé là-dedans, mais en tout cas, peu importe. Désert 1, ça peut être des choses intéressantes, surtout si vous faites justement des déserts. Désert 2, Fate, fin d'après-midi. Ça, c'est complètement allé, ça n'a pas d'allure. Hallucination, ouais, ça peut être ta rétine, ça va en faire. Himalaya. Donc, fait des jeux en hauteur. C'est une question de jugement, d'un choix à prendre. Moi, j'aime pas ça. Éliminer. Ça, c'est vraiment la jungle, la neige. On voit pas ce qu'il y a dans la neige là-dedans. C'est sûr que si tu mets un seul blanc. Soyons curieux et regardons quelque chose. Allons dans texture. Si on prend de la neige, curiosité, voir si ça va vraiment faire un effet intéressant. C'est pas ça. Ah, c'est un truc, ça. Non, franchement, c'est vraiment laid. Chose importante à savoir, c'est que dans PostFX, vous pouvez ajouter l'opacité dans le fond de l'effet que vous mettez. Donc ici on va l'ajouter un peu. C'est vrai que ça donne un rendu quand même pas si pire, un petit côté frisqué un peu. On sent que c'est un peu comme plus froid. Ensuite on a noir et blanc. On va le remettre dans le fond, noir et blanc, avec du rouge, mais on a tué une paire rouge et bleu, aucune saturation, ben, c'est noir et blanc. Saturation ensoleillée. On va remettre la texture de défaut que j'avais mis tantôt. Plus ou moins. Plus ou moins. C'est pas tout à fait ça que je veux. Des fois, on a des choix à prendre, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je fais? Donc, excusez. Donc, fil des couleurs, ça sert à ça. Ça le fait dans le fond à changer les types de couleurs. C'est le film de soir. C'est le film 1. Encore là, vous pouvez ajuster. Le mettre à on ou à off. De mettre un peu d'effet ou pas d'effet. Ensuite, effet, on a. Le fait de pouvoir jouer avec genre de on va dire de la crasse à lancer, je peux dire. Moi je sais bien que j'aurais pas le goût de jouer avec ça dans ma face tout le long, là. Je serais écœuré. Je sais pas trop ce que tu veux simuler en jouant avec ça, en fait. Sinon, on a le vignettage par défaut. Donc, c'est un ou l'autre, c'est sale ou vignettage. Celui que j'utilise, moi, des fois, c'est vignettage. Vignettage, c'est quoi? On va le mettre au maximum. C'est qu'il y a un pourtour autour qui est très noir, on le voit. Il faut le mettre au maximum, là. On choisit l'intensité de l'opposition.
comparaison de l'exposition, c'est bien trop sommaire, ça. Donc ça peut être pratique en fait des jeux d'horreur. Pour donner, pour focusser sur le chose, mais c'est sûr qu'il faut pas le mettre trop épais non plus. Juste un peu, juste suffisamment, juste pour faire. Ça donne un petit aspect assez poignant, si je peux dire. On voit la différence, sans vignettage, sans vignettage. Ça peut donner un aspect qui est intéressant des fois. Tout dépendant de ce que vous créez comme effet. Moi, j'ai envie de le laisser comme ça. On continue maintenant avec l'audio. L'audio, au départ, vous avez le choix de choisir le type de son par défaut que vous voulez entendre. Donc, extérieur de champ, extérieur de falaise, forêt calme, etc. Vous pouvez explorer ça comme vous voulez. Chose importante à savoir, c'est que si vous faites des environnements qui sont à l'intérieur, on va mettre un exemple intérieur de forêt calme, et que vous feriez, je sais pas, on va s'imaginer une petite maison. On va s'imaginer ça ici, là. Plutôt ça ici. Ça va faire la job. Ça va faire la job! Le but, c'est juste de démontrer quelques jours, là. C'est sûr que là, si vous faisiez des maisons, n'oubliez pas d'enlever la verdure qui est en trop, là. Parce que sinon, ça ne fera pas joli. Pour le moment, on s'en fout, c'est juste un test, là. Donc, dans Options, dans Audiovisuel, dans Audio, dans Volume. Donc, ici, on va choisir le volume de Bunker, Chung, Jerry, Générique, Room, etc. Comme ici, c'est plus un genre, pas un bunker. C'est plus une genre de pièce large, on va dire. On va venir positionner, dans le fond, c'est ici. On va ajuster, évidemment, sa taille. Et on va venir la positionner à l'intérieur, dans le fond. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de cet environnement-là va avoir un son identique à ce qu'on va avoir choisi. Et ce qu'on a choisi ici, c'est le green. Oh, c'est pas ce que je voulais, j'ai pas payé la bonne chose. C'est l'environnement audio de style room large. Réglage de l'occlusion. Donc, si vous êtes à l'intérieur, on entend le son extérieur. L'occlusion, ça fait en sorte que lorsqu'elle est à sec, on n'entend plus ce qu'il y a à l'extérieur. Si on est vraiment, c'est juste le son à l'intérieur de la pièce. Donc, si vous mettez un taux de pourcentage à 50, à titre d'exemple, on va entendre un petit peu à l'extérieur parce qu'on est rentré à l'intérieur. Mais pas trop non plus parce qu'on n'est pas dehors, on est en dedans. C'est deux choses différentes. Donc on fait le test, je vais juste peut-être juste ajuster peut-être la taille peut-être de la zone. C'est important qu'elle ne dépasse pas trop non plus. Taille, ça c'est en largeur. Ok, ça m'a trompé. Voilà. Sans conséquence pour que ça soit vraiment juste à l'intérieur. Donc si on laisse ça, donc on joue. Donc on est à l'extérieur, on entend le son de l'extérieur. Et lorsqu'on rentrait à l'intérieur de ce bâtiment-là, ah, le son n'est plus le même. Parce que là, on est rentré à l'intérieur d'un bâtiment. Vous voyez? Donc, on parle ici de son. Donc, son d'occlusion. Voilà.
Donc, on retourne dans l'éditeur de la carte. Donc, toujours dans l'environnement audio. Donc, comme je disais, c'est important de savoir que le son qu'on a à l'extérieur va avoir un rôle. Il va toujours être présent, peu importe les décors que vous allez faire à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe, tant aussi longtemps que vous ne mettrez pas ce que je viens de vous montrer ici, que je vais vous remontrer tantôt, qui se trouve à être. On va voir le nom exact. C'est pas ce que je veux. C'était pas cool. Donc, c'est un audio management volume. Audio management volume. Donc, ça permet de contrôler. Cet audio management volume, on le trouve dans objet, dans audiovisuel, dans audio, dans volume. Vous avez différentes catégories ici de l'aménagement que vous pouvez faire. Donc, on revient à son. Là, vous pouvez choisir évidemment le son que vous voulez à l'extérieur. Mon conseil, lorsque vous travaillez le son, prenez le temps de fermer vos yeux. Prenez le temps d'écouter. Faites une brève image mentale du décor, ce que vous êtes. Ou de ce que vous voulez créer. Dites-vous qu'est-ce que vous voulez. Écoutez. Parce que les monteurs de son dans le domaine des jeux vidéo, comme celui du cinéma, c'est pareil. Ils vont se fermer les yeux une seconde puis ils vont dire: ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est sûr que la différence des monteurs de son, les autres vont pouvoir ajuster le volume du son et ça. Qui n'est pas des possibilités que vous avez directement dans l'éditeur de map, mais qui est configurable au niveau des options. Donc, lorsque vous allez sur Options de votre jeu directement ici, hein, vous allez pouvoir choisir dans le fond le volume général avec ou sans musique, etc. Là, je vais mettre la musique parce qu'on va parler justement de la musique que j'avais mis à off. Donc, une chose importante à savoir, c'est que la musique, quand vous la mettez, elle ne sera pas nécessairement tout le temps en jeu. Il y a certaines musiques qui vont apparaître juste à certains moments donnés, mais qui vont se déclencher surtout durant des moments où il y a des batailles. Donc, par exemple, le thème A. Le thème B. Très important, comme j'ai dit tantôt, faut vous mettre dans la peau de ce que vous voulez créer. Si c'est un jeu d'horreur, si c'est un jeu de science-fiction. Prenez le temps de fermer vos yeux s'il faut. Prenez une photo visuelle de ça, puis dites-vous qu'est-ce que je veux. C'est le thème C, le thème D. Pour l'instant, je considère que le thème D est plus adapté par rapport au jeu que je fais dans le moment présent. Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait un genre d'espion qui va avancer en silence. La musique, je trouve qu'elle correspond plus à cette réalité-là. Donc, prenez le temps d'étudier ça correctement. Ça compte le son. Le son dans un film, c'est. On va prendre un film d'horreur, on va y mettre une belle petite musique joyeuse, puis vous allez voir le film complètement d'une façon différente. Au niveau du cinéma, c'est comme ça. C'est le son qui joue un rôle très important au cinéma. Jeux vidéo, c'est la même chose. Donc prenez le temps vraiment d'écouter correctement. Comme cette musique-là aussi, l'infiltration, ça peut être intéressant.
internet. Ça donne l'impression un peu de pas feutré, on avance doucement. Le plaisir d'éditer une map dans Far Cry, comme dans n'importe quel. Surtout dans Far Cry. Dans Far Cry. Dans Far Cry 5, voilà. C'est justement, c'est que toute vie au fur et à mesure qu'on crée. Donc après, on a développé tous ses sens. C'est une chose qui est importante. Parce qu'on travaille les décors, on travaille la musique, on travaille le son, on travaille beaucoup de choses. Ça pourrait être pas si pire. Mais je sais pas, c'est comme trop. Trop langoureux. On va les écouter ensemble tous. Faut que vous appreniez un peu à les connaître. C'est une chose qui paraît peut-être long, mais une chose qui est importante. Faut vous donner cette patience-là d'écouter comme qu'on le fait dans le moment présent. J'haïs pas le thème H pour une infiltration. Ça fait plus cowboy western. Ça, c'est plus un genre de drame d'action, quelque chose. Il y a un déroulement qui se passe, il y a quelque chose qui arrive. Déroulement, là. Il se passe quelque chose. Ça, c'est plus de l'action en boucle, quelque chose qui va se passer rapidement. Ça c'est plus un genre de jeu de guerre ou quelque chose de semblable à ça. Chose d'un peu plus tropical. Fate, c'est un son que j'ai utilisé pour faire le jeu Silent Hill. Parfait pour le côté horreur.
Donc on a fait le tour pour ce qui est de cet environnement-là. Personnellement, j'aurais peut-être choisi le thème H, qui me semblait bon pour une infiltration. L'occlusion du son dans l'audio, au niveau de son effet global, j'ai pas vraiment compris exactement. Avec toute sincérité et toute humilité, est-ce que ça veut dire que le son disparaît lorsqu'on rentre dans un endroit? J'ai pas vraiment compris avec toute sincérité. Je le laisse par défaut tel quel, personnellement. J'ai pas absolument compris au complet. Même si je comprends un peu plus, je vais vous l'expliquer. Donc on a fait le tour pour ici. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à étudier? On va rentrer dans les détails plus précis dans les outils. L'outil de script. Ce qui est une nouveauté dans l'éditeur de map. Là, on parlait de son. On va placer un script. Et ensuite, on a différents types de trigger. Les trigger, c'est ce qui va activer le script. Donc, on a les trigger events. Les trigger events, c'est que lorsqu'il va se passer quelque chose, comme si une créature meurt, à titre d'exemple, on va la mettre ici. Ben, il va avoir une action pour le script. Et il y a le trigger lock at. Personnellement, je n'ai jamais utilisé celle-là. Il va falloir que j'y étudie un peu plus. Je ne l'ai pas encore utilisé. Fait qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. On va parler des deux principales, celui que j'utilise le plus. Donc, le trigger volume. Oups, désolé. On va se mettre un deuxième trigger. On va se mettre un volume. Celui-ci, on va l'identifier premièrement. On clique dessus, on choisit son trigger. On choisit ensuite l'option d'événement. On va choisir qu'est-ce que ça déclenche comme trigger. Ça va déclencher le trigger qui est à côté ici. Là, il y a une chose qu'on ne voit pas très bien, sinon je vais essayer de vous le montrer. Si on lève un peu le script. Merci. Tu peux-tu, si bon? Lever, j'ai dit. Ah, des fois, il capote, c'est-tu. Quand vous sélectionnez le script, vous voyez il y a une ligne. Il aurait dû mettre une ligne vert fluo, quelque chose. C'est stupide de faire une ligne noire, là. Vous voyez peut-être pas bien, là. Je vais essayer de mettre. On va changer la texture, peut-être, vous allez peut-être mieux voir. On va mettre une petite texture plus blanchâtre, peut-être. C'est pas vraiment blanchâtre, ça. Attendez. Excusez. On va se mettre une texture, genre de neige, admettons. Là, on voit mieux un peu plus les lignes. Vous voyez la ligne? C'est pas quelque chose qui est visible facilement parce qu'ils ont mis une couleur tellement pas évidente, là. On voit vraiment qu'elle est collectée dans le fond avec ce trigger. C'est une façon dans le fond de vérifier que lorsque vous choisissez votre trigger, j'ai dit trigger, merci. Quel que vous allez choisir, celui 34 ou l'autre. Il n'y en a aucun. 34, c'est celui-là. 36, il y en a mis juste un autre. On voit bien la ligne qui s'en va vers l'autre. Script. Donc on veut que ce soit celui qui soit activé. Donc celui qui est ici. Et on va rentrer dans la vue du sujet maintenant du script. L'option du script. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 possibilités d'événements à accomplir dans votre script. Quelles sont les choses que vous pouvez faire? Premièrement, en haut, vous avez l'option de faire script en file d'attente ou ne rien faire. Théoriquement, ne rien faire devrait dire que peu importe s'il y a un autre script qui est en cours, ben, ils ne savent pas rien. Tant aussi longtemps que les autres scripts fonctionnent. Honnêtement, je trouve que ça, c'est mal fait. Un trigger, ça devrait être un trigger ant ou un trigger multiple.
qu'il y ait un script en action ou pas en action, ça devrait fonctionner. Mais ça a l'air qu'Ubisoft n'ont pas fait ça de même. Ils ont fait en sorte que, surtout si vous choisissez script en file d'attente, ça vient à dire que si vous rentrez, si vous faites cet événement-là en premier, il va être obligé d'attendre que son événement soit fini avant de faire l'autre événement. Et pour voir ça plus en détail, on va revenir à cela tantôt. On va s'attarder au trigger, à ce type de trigger qui est un trigger volume, qu'on peut éditer en largeur. On va commencer premièrement par option de déclenchement. Donc, qu'est-ce que ça va déclencher? Ça va déclencher notre fameux script qui est ici, qui est le script 35. Au même principe que j'avais expliqué dans la première partie de la vidéo, prenez le temps de faire ça au fur et à mesure parce qu'il y a encore là, il y a le même défaut dans le fond que j'avais expliqué tantôt, j'avais parlé dans le fond des zones de contrôle qui ne possèdent pas de nom. On va en mettre une zone de contrôle là, à cet exemple là, pour notre personnage qui est en haut ici. Là. On veut qu'il se tienne, mettons, juste dans ce coin ici. On va reparler un peu de ce sujet-là. Parce que pour les scripts, c'est la même chose, c'est le même défaut. Donc, Move and Defend. On appuie sur L2 pour pouvoir l'éditer. Propriété, on va choisir la largeur. On veut qu'il marche dans cette zone-là. Finalement, notre personnage, on va le mettre en double. Admettons. On veut qu'il aille dans cette zone-là, comme j'avais dit tantôt. Donc, si on va vers la gauche, ça va être le premier, qui va être le dernier script qu'on a mis, notre zone qu'on a mis, comme j'ai expliqué tantôt. Donc, on va sélectionner notre personnage, zone de contrôle, un clic à gauche. C'est la dernière zone qu'on a mis. Là, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que le trigger a à peu près le même défaut. C'est que lorsque vous cliquez sur le trigger volume, vous pouvez l'éditer en largeur, etc., au même titre que la zone dans laquelle le personnage marche. Mais ici, la différence, c'est que c'est la zone dans laquelle le personnage joueur va marcher pour déclencher le script. Ce qui veut dire que si vous voulez que mettons qu'on suit vraiment le chemin, lorsqu'il va passer dans ce chemin-là, ça va déclencher ce qu'on veut que ça déclenche. À titre d'exemple. Mais l'option ici de déclenchement, le son script, est à peu près le même principe. Si vous cliquez une fois à gauche, c'est le dernier script que vous avez mis. C'est important de retenir ça parce que, comme j'expliquais tantôt, les triggers, au même titre que les ondes, on voit le nom trigger volume, mais on ne voit pas quel est ce trigger. Vous comprenez? C'est important que d'obtenir ce petit truc-là, qui est de choisir à partir de aucun, un clic, flèche gauche, c'est le dernier qu'on a mis. C'est pour ça que c'est important de le faire au fur et à mesure et non pas d'en placer comme genre. Je vais donner un exemple. On va être encore plus concret là. Je vais juste prendre ça ici, je vais le mettre à aucun. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer plusieurs scripts. On va prendre tout simplement le script, on va le doubler. On va en mettre 3, 4. Juste. Ici, mais imaginons que vous avez eu l'idée d'en mettre plusieurs parce que vous dites, ah, moi, je vais en mettre plusieurs. Mais le problème, c'est que si vous faites une zone de contrôle, vous allez être perdu parce que là, vous ne savez plus qui dans qui est quoi. La seule chose de référence que vous avez, c'est cette petite ligne qui est quasiment pas visible qui vous montre quel script que vous choisissez. Je sais pas si vous voyez, parce que même moi, j'ai de la misère de voir un peu. Là. On voit un peu, mais c'est vraiment minime. Là. On voit qu'il fixe l'autre script, là, qui est celui-ci. Mais il faut vraiment jouer avec la caméra pour qu'on voit un peu la ligne. Là. Etc., etc. Fait que s'il faut se fier juste à cette petite ligne-là, vous allez, je m'excuse, vous casser la tête, un enfer de fou. À vous en donner mal la tête. Fait que travaillez plutôt au fur et à mesure. De toute façon, c'est mieux de faire une chose à la fois qu'en faire plusieurs.
et configurer là de la façon comme je vous l'ai montré. Donc, option, le premier qui est après aucun à gauche. Donc, en cliquant une fois à gauche sur la flèche, ça va être votre bon script que vous allez choisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, les scripts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un script? Dans l'option du script, donc pour à se rendre jusqu'à là, vous choisissez le script avec le bouton X. Ensuite, vous appuyez sur carré et vous choisissez ici, là, avec les flèches, vous choisissez option de script. On va choisir maintenant une case vide, donc la première en haut. Les options qui s'offrent à nous sont définir le moment de la journée, retarder, faire apparaître un objet, faire apparaître un objet avec une durée de vie, définir le brouillard, faire disparaître un objet, téléporter joueur, définir le ralenti, modifier le thème musical, définir s'il y a ou non de l'orage, faire apparaître un IA, faire disparaître un IA, et paramètres visuels du marqueur de l'objectif. On va commencer par le premier, faire apparaître un objet. Non, excusez, le premier en haut, ah, j'avais oublié retarder. Désolé. On va commencer par le premier, plutôt définir le moment de la journée. Mais celle-là, c'est clair, c'est que là, il était 6 heures du matin au départ. Donc, on voudrait décider que le temps va changer, qu'il va être rendu à, mettons, je ne sais pas, 18 heures, ou même peut-être même la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer ça comme ça. La chose la plus importante là-dedans, c'est que ça va dire, bon, tout simplement, ça va faire en sorte que lorsque vous allez rentrer dans la partie verte ici, ça va déclencher ça, qui va faire en sorte que la journée va changer. Va changer de quelle façon? Si vous laissez la durée du mélange à zéro, ça va être instantané. On va l'essayer ensemble, si vous permettez, mais avant, on va juste configurer. On va laisser comme ça, c'est beau. Donc, on va rentrer ici. L'important, c'est de s'amuser à faire des tests. Comme ça, vous allez pouvoir voir les effets. On va rentrer dans la partie verte, évidemment, qu'on ne voit pas en jeu. Hop! Oh, on est rendu la nuit. Ouais. On va revenir dans les sphères de map. L'option, définir, oups, excusez, définir le moment de la journée. Important de prendre en note que vous pouvez choisir ici l'occlusion du ciel aussi. Par défaut, il est à 1. On va mettre par défaut 23 heures sans l'occlusion du ciel pour corriger la luminosité qu'on avait tantôt, non? Qui était, bon, là, ça n'a pas d'allure. Ensuite, on a la durée du mélange que je parlais tantôt. Donc, ça va prendre environ, en frais de seconde, ça va prendre environ 20 secondes avant que le temps change. On va le mettre à 15. On va dire 10 secondes. On va calculer ensemble l'effet que ça va faire. Donc, on va rentrer en jeu. On marche en direction du chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on va arriver à la nuit. La nuit va tomber et on est rendu à, dans le fond, à l'heure qu'on a choisi. Donc, vous comprenez maintenant à quoi ça sert. Dans le fond, on va revenir. À quoi ça sert, dans le fond, de définir, dans le fond, justement, le temps que ça prend, dans le fond, pour que le changement se fasse au niveau de définir le moment de la journée ici, la durée du mélange, 10 secondes. Si vous avez cherché plus longtemps, ça aurait pris plus de temps, ça aurait été une évolution plus longue, etc., etc. Maintenant, on va parler maintenant de retarder. Qu'est-ce que c'est retarder? Retarder, c'est toujours en secondes. Donc, mettons qu'on veut que quand je rentre dans la boîte, je veux que ça prenne. Donc, quand je parle de la boîte, je parle du trigger, donc, qui est ici, le trigger vert. Donc, je vais attendre, admettons, exemple, 5 secondes avant que, là, on va déplacer avec L2 notre retardé. On peut le monter ou le descendre. Donc, on va le laisser en haut. Donc, pourquoi on va le laisser en haut? C'est parce qu'on va dire, je veux t'attendre 5 secondes
avant de déclencher le changement de la journée. Donc, on va aller ici. On va recommencer la partie. Juste pour que vous puissiez voir correctement. Donc, j'ai passé 1, 2, 3, 4, 5. Là, le temps commence à changer. Donc, on a retardé, dans le fond, le deuxième script qui était de faire changer, dans le fond, l'heure, dans le fond, de la journée. On retourne dans l'éditeur. On va supprimer ceci. Pas supprimer, on va aller dans l'option script. Excusez. On va enlever la journée. Pour supprimer un script, vous pèsez tout simplement sur carré. Faire apparaître objet. Et faire apparaître un objet avec durée de vie. Bon. Ça, pour moi, c'est ceux qui sont les plus importants que tous les autres. Ça, puis faire apparaître l'IA. Faire apparaître objet, là, ce coup, vous allez dire, ça veut dire que je peux apparaître n'importe quoi. Faux. On peut faire apparaître certaines choses en jeu. J'ai écrit à Ubisoft, justement, pour qu'on puisse avoir la possibilité de faire apparaître et disparaître n'importe quelle entité en jeu. Malheureusement, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire apparaître et disparaître? C'est surtout tout ce qui touche au son, à titre d'exemple. Donc, on parle d'audio, les points sonores, exemple. Un son quelconque. On va mettre un son, mettons, de foule, mettons. On va se mettre aussi. Excusez, c'est parce que je voulais. On va aller dans Objet, on va aller dans Audiovisuel. Tout ce qui est audiovisuel, dans le fond, c'est des objets qu'on peut utiliser. Mais on peut utiliser aussi une autre chose, je vais vous montrer ensuite. Option audio. On va s'imaginer que. Ok, j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple. Donc, on va aller dans effet. On va choisir feu, admettons. On va mettre ici. Vous allez comprendre un peu ce que je veux en dire. L'autre chose. Les autres choses sont des. Le nom exact, c'est des marques et signes. Tout ce qui est marque et signe peuvent se faire apparaître. Donc tout ce que vous voyez qui est que ce symbole-là, là, mettons de la Terre, là, au niveau du sol, on va la mettre ici, mettons, quelque chose qui est peut-être plus visible, peut-être. Quand on voit ici des genres de faillots, de je sais pas quoi. C'est du bois, parce que c'est sûrement démarqué. Le Apple aussi, on devrait, par principe logique, être capable de le faire apparaître. On va mettre si ça marche, on va voir. On va essayer. On va essayer, les amis. Il y a certains objets qui ont pu, mais pas toutes, malheureusement. Donc, vous ne pouvez pas changer, exemple, dans Objet, exemple, dans Far Cry 5, dans Objet, exemple, on va choisir, je sais pas, dans Résidence, admettons, un meuble. Vous pouvez pas le faire apparaître ou disparaître, malheureusement. Bon, ça, c'est pareil, des fois, on sait jamais. Mystère de la vie! Mais c'est pas supposé. Parce que pour avoir testé beaucoup de choses, je peux vous dire que ça marche pas. Donc, faire apparaître un objet, c'est quoi? C'est faire apparaître un objet, ça le dit. Donc, on sélectionne l'objet, on pèse sur X. Voyez-vous, ça, je peux pas. Les décalques, je le peux. Les sons, je peux. Donc, tout ce qui va se sélectionner, c'est quelque chose qu'on peut. Donc, les décalques, vous voyez, on peut le faire avec les décalques. On peut le faire avec les sons. On peut le faire aussi avec les effets spéciaux. Donc, moi, je vais attirer des angles pour faire apparaître le son. On pèse sur cercle pour revenir en arrière.
On va utiliser le retardé de tantôt, on va dire. On veut attendre un peu, 5 secondes au moins, le temps que le son marche. Et après 5 secondes, on va faire. Juste une minute. On va faire. Non, c'est pas ce que je voulais, désolé. On va faire apparaître un objet avec une durée de vie. Pour montrer la différence entre l'un et l'autre. Là, on va appuyer sur X. En sélectionnant sélecteur d'objets, on appuie sur X. Et là, on se déplace avec la caméra pour choisir dans le fond l'objet. On aura appuyé sur X. Ça l'indique Fire Camping, donc ça l'a choisi notre feu de camp, notre grand feu de camp. On choisit dans le fond la durée de temps que ce feu-là va fonctionner. Donc on peut choisir, exemple, le feu va brûler pendant environ 10 secondes. C'est toujours en unité, donc en secondes. Donc calculé. Donc si on monte ici, on sait que 60 secondes, c'est 1 minute. Donc 120 secondes, 2 minutes, etc. Donc on veut que le feu de camp ici dure environ, on va dire 15 secondes maximum. Donc ce qui veut dire qu'au début, qu'est-ce qui se passe? Notre son part. Pendant une durée d'environ 5 secondes, on va le baisser à 3 secondes plutôt. 3 secondes, il ne se passe rien. Après 3 secondes, le feu de camp va partir. Et ensuite, on pourrait se faire un petit jeu d'action, genre. On pourrait prendre notre personnage qui est ici. Faire disparaître la pomme, parce que ça marche pas. Comme j'ai dit, on ne peut pas sélectionner des objets, malheureusement. Ça aurait pu être intéressant, on aurait pu créer des choses intéressantes. Malheureusement, on ne peut pas. Donc, on aurait pu faire genre des boutons. Pêcher sur le bouton, ça fait apparaître un pont. Des choses de même. Mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, on est rendu maintenant. Excusez. On va plutôt retourner dans le script. On sélectionne X carré, option du script. Ou ce qui peut être drôle, on aurait pu faire apparaître plutôt l'IA, faire apparaître l'IA, choisir l'IA. Là, dans choisir l'IA, on a ici, fait automatiquement disparaître l'IA lorsque le joueur s'éloigne. Lorsque celui s'éloigne, ça veut dire quoi? C'est quand il s'éloigne du trigger. Donc quand vous n'êtes plus dans la zone verte, le joueur ici disparaîtrait. Il va apparaître, mais si vous sortez de cette zone-là, il disparaîtrait. Pour l'instant, je n'ai pas choisi cette option-là. Ce qui est drôle, c'est qu'on va mettre notre joueur. Excusez. En première ligne, on va faire un retardement, un petit retardement d'environ peut-être une petite seconde, qu'on va venir mettre après le joueur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le son va apparaître. On retarde de 3 secondes. Le joueur va apparaître. Et pendant une seconde, il se passe absolument rien. Une seconde après, le feu de camp va apparaître. Et ce qui est drôle, c'est que notre personnage va être carrément dans le feu. Oh my God. Bon, on dit que c'était un peu macabre, là, mais c'est pas grave. On teste tout. Là, pour l'instant, on voit rien parce qu'on a configuré que ces objets-là vont apparaître seulement lorsqu'on va rentrer dans le tracker. Dans l'éditeur de map, on les voit, ces choses-là. Mais quand on joue, ils vont disparaître tant si longtemps qu'on n'accélérera pas le script par le biais du tracker. Le son part. 3 secondes. Le joueur est en abeille. Et le feu est apparu. Ce qui a fait en sorte que le joueur a eu peur. Le PMJ plutôt a eu peur et est parti. Le feu, on l'a édité pour qu'il fonctionne juste pendant 15 secondes. Et voilà. 15 secondes plus tard, le feu a disparu. Mais le joueur, lui, a apparu. Mais vu que lui, le joueur, avait été sélectionné, il avait une zone de un territoire qui appartenait, ben, il fait tout pour rejoindre ce territoire-là, il remonte en haut. Donc, il va rester dans sa zone. Donc, ici, on voit toutes sortes d'éléments qui sont importants à prendre en note. Donc, les zones de jeu. Donc, comme j'avais expliqué, parce que si vous faites un jeu puis que vous ne créez pas de zone, tous les joueurs vont tous venir d'une shot sur vous. Et ça va être vraiment désagréable comme feeling en jeu. Donc c'est important de créer des zones
Donc, pour voir un peu plus en détail les scripts et tout ça, tout ce qui est événement de zone, je vais quitter ici. Excusez. Ah oui, je t'excuse. Je comprenais pas pourquoi je voyais aller. J'avais pas quitté le jeu. Donc, je vais juste faire une petite sauvegarde. On va quitter l'éditeur et on va aller dans un jeu que j'ai fait. On va aller dans mon dernier jeu qui est Silent Hill, que j'avais fait, ben que j'ai fait la semaine passée. Et vous allez voir dans le fond la totalité de l'importance. C'est pas trop long. L'importance, dans le fond, que prend toutes les scripts, les ondes de jeu, etc. Et je veux que vous sachiez que lorsque vous développez un jeu, ça peut être très long, mais autre que l'action de dire que c'est long, en jeu, et on va voir des petits détails aussi importants, on va revenir tantôt sur les scripts un peu plus en détail aussi, sur les autres petites choses que je ne vous ai pas montrées, qui est dans le fond de configurer le brouillard, les choses comme ça. Mais là, à titre d'exemple, je vais vous montrer que quand on place des scripts dans l'éditeur de map, tous les sons, tous les événements, toutes les choses, toutes les zones, les triggers, les scripts sont présents en jeu. Vous le voyez, là, il y en a en quantité industrielle. Et c'est l'ensemble de tous ces triggers, de toutes ces zones, de tous ces éléments-là placés en jeu, qui va faire un jeu de qualité, si je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, un jeu qui va avoir une plus grande cohérence, etc. Ici, on revoit un peu les objets invisibles qui empêchent les personnages d'aller plus loin qu'une zone particulière. On revoit toutes sortes d'éléments qu'on a étudiés dans la première partie de la vidéo, mais aussi dans la deuxième. On voit les zones ici. Les ondes. J'en perds mon latin. Pour la luminosité, etc. On voit les ondes. Non, pas les ondes, mais les triggers. Qui va permettre de déclencher des différents scripts. Mais la chose importante d'avoir ici, c'est que. C'est que je veux pas que vous découragiez. Si je vous montre ça, s'il y a une raison, c'est parce que je veux pas que vous vous découragiez. Je veux que vous donnez-vous le temps. C'est un plaisir de créer un jeu, et c'est encore un plus grand plaisir de voir le résultat d'un jeu de qualité, si je pourrais m'exprimer ainsi. Un jeu dans lequel vous allez vous faire probablement du fun à jouer à ce que vous allez créer. Mais de voir aussi la satisfaction de voir si les personnes qui vont jouer à votre jeu, ils vont dire, hey, sais-tu que ce jeu-là, il est vraiment bon, c'est quelque chose. Parce que trop souvent, les personnes, ils vont jouer à un jeu, une map, mais ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière la map. Et ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer, dans le fond. De voir la totalité, dans le fond, un travail acharné, comme j'ai dit, c'est plus de 120 heures de travail. Mais en finale, ben, vous avez eu la chance, et vous avez encore la chance, de pouvoir avoir un bon jeu d'horreur pour cet Halloween. Parce que si j'ai fait ce jeu-là, si j'ai fait Silent Hill, c'est pour Halloween 2018. Donc, joyeux Halloween à l'avance. Donc, on va sortir d'ici.
Merci, on va enlever le son. Oh oui. Et donc, on va revenir à notre map test et on va continuer à voir les scripts, donc les possibilités de scripts. On parle de téléportation. Ça serait pas trop long. Où suis-je rendu? Je me suis trompé, je suis pas à bonne place. Donc, c'est important que je vous montre ce petit bout-là tantôt parce que je veux pas vous décourager. Trop souvent, je vois des joueurs qui font des maps genre vraiment quétaines. Je sais qu'on débute tout quelque part, mais il y a quand même des limites de voir des personnes qui mettent genre un bonhomme dans le milieu d'une map de 100 000 pieds carrés. Ils mettent un ours, puis qui font Enter, puis je publie, puis je sais pas à quoi le monde pense quand ils font ça. Même si vous faites pas un travail aussi grand que celle que je fais ou que d'autres développeurs font, comme Ubisoft à titre d'exemple, vous êtes capable de faire des choses vraiment de qualité. Et le but, dans le fond, de toute cette. Dans le fond, de ces deux vidéos-là que je suis en train de faire, c'est de donner justement les outils justement pour arriver à faire des maps de cette qualité-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà cette qualité-là, parce qu'on a des très 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 belles maps qui sont déjà été créées. Mais pour les débutants, donc ceux qui débutent, les choses les plus importantes à prendre, c'est pas juste les outils, mais aussi d'apprendre à avoir justement cette patience. C'est un peu comme quand j'étais jeune, on jouait souvent au Lego. C'est le plaisir d'assembler chaque pièce de Lego pour pouvoir créer des maisons, des structures, etc. Ça prenait du temps. Et aujourd'hui, il y a des grands passionnés de Lego et ça leur prend des fois des jours, des journées entières, voire des semaines avant de réaliser des monuments en Lego, des choses comme ça. Dites-vous que quand vous faites une map pour Far Cry 5, c'est à peu près la même chose. Donc, vous prenez le temps de modéliser les décors, de choisir de quel type de l'élément de décor vous allez mettre. Oh, excusez, j'avais oublié de peser sur Start. De choisir quel élément vous allez mettre dans le décor, quel genre d'arbre, quel genre de texture que vous allez utiliser, quel genre d'objet, de maison, etc. Ou si vous êtes un peu fou comme moi, bien, si vous voulez vraiment éditer pièce par pièce chacun des bâtiments, parce que Silent Hill, ça n'existait pas, donc il a fallu que je crée pièce par pièce, donc un peu comme un Lego. Donc que je bâtisse mes murs, que je bâtisse mes planchers, les plafonds, etc. pour pouvoir créer, dans le fond, la totalité de l'environnement de Silent Hill. Mais pour les débutants, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, soit de prendre objet, de choisir forme de base indestructible et de commencer à construire dans le fond avec, à titre d'exemple, des murs. Et là, c'est important, vous voyez, exemple, à titre d'exemple, si j'ai l'importance de mettre notre personnage principal en jeu, c'est qu'on voit la hauteur des murs. Donc, on voit ici, donc, du 20 par 200 par 20. Donc, ça donne ça. Du 400, on voit ici, là, du 400 par 100 par 20, ça donne ça. 20, ça se trouve avec l'épaisseur du mur. 100, c'est la largeur. Puis 400, c'est la hauteur. Là, on parle de quel genre d'unité, je ne sais pas honnêtement. On parle-tu de pieds, de pouces, je ne sais pas. Hein, c'est pas spécifié de toute façon. Mais servez-vous dans le fond de votre personnage pour voir justement la hauteur de cette réalité-là. Donc, je considère que du 20, du 280, la hauteur de 280, c'est la hauteur pas mal d'un plafond normal, ce qui est un plafond d'environ 8 pieds. Comme dans une maison, si je peux dire. Donc, si vous voulez construire vraiment étape par étape une maison, là, les murs, chaque côté, ensuite vous allez faire votre plafond, votre plancher, etc. Faites ça de même. Si vous me donnez la peine, je vais vous laisser juste quelques instants. Je reviens tout de suite.
Alors, pardonnez-moi, je m'excuse. Mais ça a l'air que je suis un être humain comme tout le monde. Puis j'avais eu besoin d'aller faire un petit coin. Oh! Batwing. Désolé. Donc, on était rendu. Donc, si vous voulez hésiter pièce par pièce, vous allez devoir, dans le fond, utiliser ces formes de base. Ok, indestructible. Mais tout dépend de ce que vous voulez créer. Et graduellement, donc, les murs. Dans les formes, c'est quoi? On a des cylindres. Vous êtes chanceux parce qu'avant, il n'y avait pas tout de suite. Il y a des nouveaux éléments qui ont été rajoutés. Donc, on a des cylindres aujourd'hui. Donc, des formes cylindriques. Qui peuvent nous permettre de faire des colonnes. À titre d'exemple, on serait dans un corridor, mettons, avec des colonnes. À titre d'exemple. Ensuite, on a des escaliers. On a des fenêtres. Les fenêtres, c'est plus les trous. Donc, on va l'ajouter en fonction du 280. Comme là, j'ai des murs de 280. À titre d'exemple. On peut revenir positionner par la suite. On n'est pas obligé d'être parfait, parfait, là. On s'efforce toujours d'être le mieux possible. Eh oui! Donc, on a ensuite les fenêtres qui vont dans ces choses-là. On a les murs qu'on a vus, on a les plateformes ça c'est les planchers. Et les plateformes peuvent servir autant de planchers, moi je m'en sers comme plancher, et aussi comme plafond. Ah, t'es étonnant, hein? Hey! À titre d'exemple, notre plancher, on veut prendre du bois. Ça, avec le temps, vous allez savoir si le bois il est plus à gauche ou à droite. Malheureusement, on ne peut pas choisir, peser sur carré, choisir texture bois. Ça resterait moins compliqué et surtout beaucoup moins long. Mais ça a l'air que ça ne marche pas comme ça. On va choisir celui-ci, mettons. On va s'imaginer qu'on veut ça ici. Notre fenêtre. Et là, en même temps, on va parler un peu de quelque chose d'autre. On va revenir au script tantôt. Je vais juste parler d'un petit quelque chose, là. Quand vous voulez placer un objet, tantôt, j'avais parlé dans la vidéo 1 qu'on peut choisir, évidemment, de choisir la position de ça pour qu'on voit correctement. Ça change pas. Ça reste important parce que si on veut voir la différence, on voit que le mur n'est pas placé comme il faut. On va dans modifier. Travailler toujours de cette façon-là, donc avec l'option modifier la coordonnée. Pour aller placer plus correctement le mur. Alors, je vous laisse imaginer lorsque j'ai fait Silent Hill à titre d'exemple, le temps que ça a pris pour que je classe chaque mur. Là, ce coup, je ne veux pas vous décourager. Dire, oh non, non, moi je suis ça, moi je vais juste mettre des maisons. Non, découragez-vous pas. Vous allez avoir une fierté d'avoir réussi à faire ça. Ce qui est important, c'est que vous le fassiez à votre rythme. Faut pas que vous vous détruisiez non plus à créer ce genre de choses-là. N'oubliez pas, tantôt, j'avais dit qu'on peut sélectionner les objets, donc en appuyant sur. J'avais-tu parlé de ça, sélectionner? Non, j'avais pas parlé, c'est vrai. Une chose à vous oublier. Vous appuyez une fois sur L2. Vous allez sélectionner un autre objet, vous rappuyez sur L2, et vous pouvez ainsi choisir plusieurs objets. Ces objets que vous avez choisis, vous pouvez ensuite appuyer sur carré, choisir la propriété et ainsi aller choisir la texture de votre choix. Excusez. Pour vos murs, exemple, je vais choisir ça ici. Ensuite, la même chose, on peut choisir la texture pour nos poteaux. Et on veut des poteaux en briques, admettons. On va dire que c'est un genre de corridor. On s'imagine un corridor. Avec des poteaux plus, on va dire, sur le côté. Gênez-vous pas des fois de rentrer l'objet dans le mur si vous voulez que ça donne un effet différent. L'éditeur va considérer que c'est une erreur parce que l'objet est dans le mur. Mais ce n'est pas une erreur fatale au point où ça va déranger et empêcher le jeu de fonctionner. Même chose pour ici, on peut choisir cette texture.
type de glace qu'on veut. Et ensuite, le type de cadre. On va choisir un cadre en bois ou peu importe. Peu importe. Finalement, reprendre notre plancher et faire notre plafond. Et continuer ainsi à faire les murs, les planchers, rajouter les décors, etc. Exemple, Far Cry 5. Si ça s'arrête un décor de résidence, aller dans résidentiel, c'est plus facile. Aller chercher tout simplement un mobilier pour aller chercher ce que vous voulez. Moi, ma façon de faire, c'est que si je veux des mobiliers, je vais passer tous les mobiliers qui existent. Jusqu'à temps que je fasse ah oui, ça je le veux, ça je le veux pas, ça je le veux, ça je le veux pas. Alors, donc, ça je le veux, je le place tout de suite en chose. Une chaise, ça m'intéresse pas plus que ça. Une petite horloge, oui, ça m'intéresse. On va la mettre sur le mur. Et je continue ainsi graduellement, petit peu par petit peu. Je vais avoir un sofa. Oui, j'en veux un. Quelle couleur? Un sofa brun. Et je continue graduellement, petit peu comme ça. Je vais avoir une chaise. C'est pas grave, je vais placer mon personnage après. Et je continue, je continue. Là, je vois des rideaux. Là, je vais continuer. Je vais mettre les rideaux. Mais ça, la décoration comme ça d'objets, je fais ça en dernier. Après avoir tout mis les bâtisses, tous les bâtiments et tout, je fais ça comme ça. Parce que si, maintenant que j'aurai un autre bâtiment, je fais ah, dans l'autre bâtiment, je sais bien que je mette des rideaux. Fait que là, j'aurais été dans l'autre bâtiment. J'aurais fait ah oui, on va y mettre des rideaux. Ah, mettons. Fait que ça m'oblige pas de toujours venir dans le mobilier. Fait que comme ça, je travaille dans le mobilier. Tout ce qu'il y a à mettre, tous les mobiliers qu'il y a à mettre dans les maisons, ben, ça va être fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que ça accélère un peu, disons, le processus de travail, ce qui, dans le fond, vous simplifie un peu la vie, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Donc, ça, c'est pour ça. Disons que c'est assez pour l'instant. Peut-être un petit foyer. Dans lequel il va y avoir audiovisuel, visuel, effet, feu. Non. Non. Un petit truc des fois, on peut prendre un mur. Tout dépendant, si c'est important de prendre en considération que quand vous construisez un bâtiment, vous pouvez tricher si les personnages ne sortiront pas du bâtiment. Quand je dis tricher, c'est au sens, je vais donner un exemple. Vous pouvez prendre une copie de celui-là, sélectionner, choisir, modifier l'axe. Et voilà, vous venez de faire un mur très rapidement. Ce mur-là dépasse, mais si vous dites que le personnage verra jamais l'extérieur, ça n'a aucune importance. Mais vous avez quand même réussi à faire votre mur. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Théoriquement, oui. Donc voilà, je trouve que ces petites choses-là n'ont pas rapport dans. Donc on les met dans le coin, puis là encore. Ah oui, il y a un autre petit show que je peux donner comme truc aussi. Je vais juste faire quelque chose, je vais changer la texture, je vais vous montrer quelque chose. Une chose qui est quand même importante. Imaginons que vous aviez changé la texture d'un objet. Et vous voulez que l'autre objet ait la même texture, mais que vous ne voulez pas être obligé de choisir l'objet et ensuite de défiler toutes les textures un après l'autre. Le truc, c'est que vous allez choisir l'objet que la texture que vous voulez. Exemple, cette texture-là, vous choisissez L2. Vous allez choisir l'objet que vous voulez donner la même texture et vous appuyez sur L2. Et vous allez faire carré. Excusez pour la caméra qui s'est déplacée.
J'allais faire carré, charger propriété. J'allais faire une fois à gauche, une fois à droite. Vous allez retrouver la texture de l'autre. Pratiquez ça à la maison, vous allez voir, c'est un petit truc bien pratique. Comme j'ai dit dans ma vidéo, le but c'est de donner aussi des petits trucs. C'est mon erreur. Donc voilà. Ici c'est la même chose que l'autre côté. Pour me faciliter la tâche. On peut bien la refaire, de toute façon c'est pas grave. Faut pas oublier que ça c'est un intérieur. N'oubliez pas dans un intérieur de supprimer les parties qui sont en trop. Il n'y a pas de gazon dans une maison. Non, il n'y a pas de gazon dans une maison. Et n'oubliez pas non plus de mettre, comme j'avais expliqué tantôt, là, dans, excusez, dans audiovisuel, excusez, dans audio, dans volume, de mettre un volume qui est en correspondance avec le bâtiment que vous fabriquez. Donc, si on a un bunker, bon, ça a quasiment la grosseur d'un bunker. Aucune propriété. Oups. Moi, je me suis trompé, c'est pas que je. Ah, ce que j'ai vu, c'est ça. Oui, ça c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc, si on joue. Excusez-moi, pardon. Ça, c'est une chose que le monde ne sait peut-être pas quand on joue. Si vous voulez pas avoir d'armes, choisissez la main. Tout simplement. Mon mur est mal blasé. C'est pas grave. Mais c'est un exemple rapide, dans le fond, de ce qu'on peut faire. Très rapide. On retourne sur la map. Maintenant, on va continuer avec les scripts. Donc, ici maintenant. On va faire un autre script, mais cette fois-ci, on va le faire un peu plus loin. On va faire un script à la Star Trek. On va aller dans une affaire de Mars, industrielle. C'est ça. On va se mettre ici, maintenant. Excusez, même si c'est pas vraiment ce que je voulais. En tout cas. On s'en fout! On va se mettre un petit effet visuel pour donner l'impression que c'est un téléporteur. On va aller dans science-fiction. C'est un peu trop vague. C'est trop! Ouais, genre non. Non! C'est sûr qu'il faut fouiner des fois un peu, là, trouver le bon effet. Ah, mais attends. Maintenant, on va se créer un nouveau dans outils, dans script, un nouveau script, mais ça sera cette fois-ci pour téléporter notre joueur. On va choisir le Trigger Volume, qu'on va venir placer dans le fond juste ici. On va choisir les coordonnées de la propriété de ça.
Mais avant ça, oh, excusez, j'ai perdu mon python. L'option déclenchement, très important. Le dernier script qu'on a choisi, à gauche, comme j'expliquais tantôt. Propriété. On va choisir quelque chose de petit parce que là, on veut qu'il se téléporte à partir de cet objet un peu bizarre. Même je trouve ça lettre en estime là-dedans. Okay, on va choisir d'autres choses. On va mettre plutôt. Excusez. C'est pas que je trouve ça pas beau. On va aller plutôt dans la forme de base, dans indestructible, dans cylindre, quelque chose de plat. Attends, on va rentrer un peu dans le sol. On va lui donner une couleur un peu futuriste. Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, c'est que vous allez dire que c'est pas obligé d'être parfait. Vous avez absolument raison. Mais ça a l'air que j'ai un petit côté tatoué, je fais de même. Bon, on va dire que c'est un téléporteur. On se croit pas très grand ça. On va placer notre tracker sur le téléporteur. Placer notre effet spéciaux. Et on va prendre. Là, ça dépend de ce que vous téléportez. Est-ce que prendre en considération que vous pouvez pas téléporter d'un côté à l'autre puis de revenir insensément tout le temps. Vous pouvez pas faire ça malheureusement. Si vous rentrez ici, vous allez être téléporté à un autre point. That's it, that's all. C'est tout ce que vous pouvez faire malheureusement. Donc, où est-ce que vous allez mettre votre tracker? C'est le point A qui va vous amener dans le fond au point B. Au point B, ce que vous allez faire, vous allez chercher dans objet de mission, vous allez chercher un autre spawn point, ce même petit bonhomme que vous avez mis au départ, qui se trouve être le départ de votre jeu. Vous allez le mettre dans le fond où ce qui va apparaître. Il va apparaître ici. Même si ça fonctionnera pas, là. On va le mettre. Ah, c'était mieux. On va supprimer ça ici. On va aller chercher une copie dans le fond de ce petit objet que j'ai créé. On va aller mettre notre personnage en plein centre. L'effet spéciaux ici. Choisir un autre effet spécial. On va regarder un peu plus en détail. Sauf que ce soit plus crédible, si je puis dire. Effet. C'est un effet qui s'en va aller dans la dernière. Non. Non, pas ce jeu. Non. Ah, ça, c'est pas si pire. Ça fait un peu plus téléportation. Ouais, c'est pas si pire, ça. Ou c'est quoi ça? Non. Non, pourquoi je vais mettre ça. Même je pense que je vais mettre ça là. Ça correspond plus à une forme de téléportation. Bon, le script. Comment ça fonctionne? Option. Là, j'ai mis bien les éléments. C'est que vous allez dire, bon, comment ça marche? Le personnage va rentrer dans le tracker qui va activer quoi? Ça va activer un objet va apparaître. L'objet en question, ça va être l'effet de téléportation. La durée de vie de cet effet-là va être de
du temps que ça prend avant qu'il se téléporte. Donc, on va dire. On calcule 1, 2, 3, 4, on va dire 2, 2,3 secondes. Ensuite, un petit retard entre les choses d'environ peut-être quelques secondes. On va dire une seconde. Et ensuite seulement. Oh, puis je peux même laisser. On va le laisser plutôt 3. 4 secondes plutôt. Mais si je le mets 4 secondes, il va durer 4 secondes. Non, ça n'a pas rapport. Il retarde d'une seconde. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On va mettre plutôt 2 secondes. Des fois, il faut calculer dans sa tête. Il faut s'imaginer être sur le socle de l'appareil, mettons. Puis calculer dans notre tête. Bon, on est sur la machine. Il y a un son qui apparaît. Après ça, 1, 2, disparaît. Tiens, mettons. Comme là, j'ai pas mis de son. On peut peut-être se trouver un petit son, un effet. Justement, pour la téléportation. Mettons, c'est pas 100% crédible, en tout cas. Bon, les sons d'effet qu'il n'y en a pas en quantité industrielle, mais il y en a. C'est ridicule, mais gars, je vais mettre ça. Alors, dans l'ordre, on va revenir à notre script. L'objet apparaît avec une durée de vie limitée. On retarde d'environ 0,5 secondes, on fait apparaître le son de l'ascenseur. Le son de l'ascenseur dure tom 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 tom. Donc 1, 2, environ 2 secondes. Donc on fait retarder environ 2 secondes. Et ensuite on va faire téléporter le joueur. La façon que ça fonctionne, c'est que vous allez choisir le spawn point de destination. Le spawn point est ici. Pouf! Mais vous devez choisir le même spawn point. Donc, choisir destination. Vous recliquez en bas parce que vous avez deux spawn points à cliquer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez recliquer sur le même une deuxième fois. Et voilà, vous avez deux spawn points de fait. Et votre personnage va se téléporter là-bas. Mais chose importante, faut continuer notre effet. Et là, ce qui va arriver ici, la petite lumière qui est ici, va apparaître. Donc, après la téléportation, spawn point, option, durant la téléportation, on fait apparaître l'objet avec une durée de vie d'environ, on va dire, 5 secondes. On sélectionne l'objet. L'objet en question, ça va être, exemple, ici, notre effet spéciaux. Et là, on s'amuse à tester le tout. Et j'ai été téléporté ici.
Et là, l'effet, bon, c'est pas super, a disparu parce que là, j'ai fini par être téléporté. Bon, le premier effet visuel n'a pas duré assez longtemps. Personnellement, je trouve que ça n'a pas duré assez longtemps. Où est-ce que je suis? Ah, oui. Ah, c'est parce que mon eau n'est pas là. J'ai pas repositionné mon eau. Non! Et donc, le tracker, on peut pas le réutiliser. Il est utilisable une seule fois. Ubisoft n'a pas pensé de faire ce qu'on appelle des triggers multiples. Ce qui veut dire que lorsque si vous auriez re-rentré dedans, ça aurait re-téléporté le joueur. Et ça ne marche pas. Donc quelqu'un avait envie de me poser la question, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il se téléporte plusieurs fois? La réponse à cette question-là est malheureusement non. Ok. Lecteur du script, une fois par déclencheur, une fois par déclencheur, j'ai pas compris parce que ça serait supposé de si tu rentres dedans, ça va marcher. Mais ça n'a pas l'air à marcher de même. On va juste arranger les effets spéciaux. Option. Agrandir, faire apparaître l'objet. On va le monter en haut. Disparaître ça. On va retarder un petit peu de 3 secondes. Voilà. On va essayer quelque chose. Pas dire n'importe quoi, mais ce que j'avais essayé, ça n'avait pas fonctionné la dernière fois. C'était un bug aussi. On va voir. On va se téléporter une première fois. Le script s'est fait. Il a fini de faire son script. On va voir si on peut le refaire. Ça ne marche pas. C'est un bug. Moi, j'appelle ça un bug, là. Par script déclencheur, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'il y a juste un script. Une fois par déclencheur. Mais il y en a rien qu'un. Tu peux juste associer un seul trigger au script. Ça fait que c'est complètement ridicule. Parce que moi, personnellement, ce que j'aurais fait. Ça, j'aurais fait disparaître ça, une fois par déclencheur, c'est stupide, là. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que le trigger. Je m'adresse surtout à Ubisoft, là. Le trigger. Dans Options, j'aurais donné une option. Parce qu'on a l'option. Non, ça c'est le script. Allez, veux-tu lâcher le script? J'ai pesé sur le trigger. J'aime pas cet effet-là, c'est vrai. Bon. What? Hey, t'as un bug, t'es là. Un petit bug, mon homme! Ah ben bon, on s'en fout. C'était pas obligatoire, ça. Donc, qu'est-ce que je dis? Le trigger. Il aurait dû faire une option de propriété qui fasse en sorte qu'on puisse choisir. Autre que boîte là, ou cercle. Là. Comme le cercle qui est mieux adapté à ça. Fait que ça tombe parfaitement bien. J'avais oublié de dire qu'on pouvait choisir cercle. Mais il aurait dû faire une option pour choisir si on veut que ce soit un trigger hunt ou un trigger multiple. Un trigger hunt, ça veut dire que tu passes dedans une fois et ça déclenche seulement une fois le script. Ou trigger multiple, qui veut dire que si tu reviens dedans, ça va refaire en sorte que le script fonctionne. Et ça, malheureusement, Ubisoft ne l'a pas fait. J'espère qu'Ubisoft m'entend. Sinon, je vais encore réécrire à Ubisoft. De toute façon, il faudrait que j'écrive, comme j'avais dit, parce qu'il y a des bugs. Je vais en profiter en même temps pour leur parler de ça. Je vais me marquer sur un papier, pas que je l'oublie. Donc, on est rendu là. Excusez. Donc, il reste maintenant à parler maintenant des autres types de trigger. On va aller voir ici nos personnages. Je vais venir rechercher mon personnage.
Mon personnage, on va casser le feu, je te rappelle. Donc, on va dans script, on choisit un nouveau script, mais cette fois-ci, on va choisir le Trigger Event. On voit ici le Trigger Event. On va configurer le Trigger Event en cliquant sur Option d'événement. On va choisir le premier à gauche, qui est le script qu'on a mis en dernier. Donc, celui qu'on vient de mettre maintenant en présent. Donc, c'est marqué ici, type d'événement. Si l'IA est mort, si l'objet est détruit, début de la vague, là, on pourrait choisir la vague 1, 2, 3 ou 4. Mais là, on va choisir si l'IA meurt. Si l'IA meurt, on clique sur vide, on choisit l'IA, donc si lui meurt, ou elle plutôt, si elle meurt, elle va déclencher le script 61. Ce qui veut dire qu'elle va faire en sorte que lui, excusez, lui, allô les enfants, merci, lui, il va actionner quelque chose. Il va actionner quoi? Il va faire apparaître l'autre IA qui était en haut de la montagne tantôt. Puis il va faire apparaître un autre IA qu'on n'a pas mis en jeu encore, mais qu'on va venir placer. Qui est tout simplement une grosse bébête. Allez, on se fait plaisir. Ça va être drôle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça là plutôt. Je vais faire un combat entre deux créatures. Et je l'ai fait la première fois, puis c'est vraiment drôle. Enlever ouais, c'est pas ça je... ouais. Non, si j'arrive pas à sélectionner mon enfant. Hello les enfants, ouais, ouais, on va bien le placer ici en place. On va les mettre un une zone de jeu, mais pour les animaux. Ça va être la bataille ultime entre les deux animaux. On va assister ça de loin, ça va être cool. Ça va être super, une grosse bataille d'animaux, man. Donc, Trigger Event, quand elle a mort, déclenche le script, fait apparaître IA, choisir l'IA, fait apparaître le deuxième IA en même temps. Ça va être l'enfer. Donc, on va se mettre ici. Faut pas oublier de faire une fois d'enregistrer votre map. Parce que s'il y a un bug et que ça plante, vous allez pleurer. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Tantôt, on avait mis un son, faire apparaître le feu, faire apparaître la fille. Ah, c'est vrai que là, je joue pas. Mais là, il n'y a rien qui se passe en haut. Pourquoi? Parce que la fille est pas morte. Je tue la fille. La fille est morte. Ça fait apparaître les deux personnages. C'est la grosse bataille.
La reine a gagné. Donc, je pense avoir pas mal fait le tour. Le reste, des choses qu'on peut mettre en script, c'est dans le fond, comme je disais tantôt, c'est d'ajuster le brouillard. Donc, on peut le faire. On peut le faire dans le script d'après même que la fille a mort. Donc, on va mettre un retardé d'environ, j'en sais rien, on va dire 3 secondes, on va dire. On va me le mettre au début. Pourquoi? Parce que je vais faire définir le brouillard. Même l'orage. On va se rajouter de l'orage. Et aussi définir le moment de la journée, premièrement. Donc le monstre qui se bat contre l'autre, on va le mettre à. On va mettre ça, je sais pas quelle heure. Je sais pas trop honnêtement, je vais faire vraiment d'idées le principal pour l'instant. Pas la température. J'aime pas vraiment ça, c'est pas très joli. Mais t'es vite. Vraiment la journée, partir l'orage. Puis aussi en même temps, on peut cho choisir le thème musical. Donc ça va être genre. Oh, c'est vrai, niaiseux. J'ai enlevé la musique. Donc je t'ai rendu dans Options. Modifier le thème musical. Ah, bien joué, bébé. Modifier le thème musical. Non. 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 Pas pantoute. Ça. Comme ça. Et on va même définir le brouillard. Donc on voit un peu toutes les choses qu'on peut faire là. Chose importante par contre, quand vous allez dans le script, si vous choisissez le brouillard, prenez en considération que si vous avez choisi une heure en particulier, genre 8 heures, dans votre environnement audio, environnement audio, dans l'environnement et audio plutôt, choisissez la même heure, mais n'oubliez pas de remettre à l'heure de votre jeu. Donc 8 heures. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez ajuster votre script, donc vous allez ajuster le brouillard. Vous allez l'ajuster en conséquence dans le fond de ce que vous voyez. Donc sa densité, on va l'augmenter. Bon, il y a la densité. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas. Ok.
Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Densité. Ah, ok. C'est parce que la densité qui était mal placée. Et ensuite, évidemment, n'oubliez pas de remettre l'heure que vous aviez au départ. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de laisser dans les commentaires de cette vidéo. Parce qu'on a pas mal fait le tour du cadran, comme on dit. On a montré comment faire des scripts. La seule chose, dans le fond, que j'ai pas mis jusqu'à date, c'est faire disparaître l'objet. Donc ça serait le contraire. Donc si vous avez un objet qui est en fond, genre je sais pas, un son qui est en loop, ou je sais pas, exemple, on va dire que vous vous donnez l'illusion que vous éteignez un feu, mettons. C'est ce qui me passe par la tête pour le moment, là. Et que dans ce script-là, on va utiliser le script de tantôt. Donc après avoir fait, on va dire que la première chose qui va se passer, c'est que ça fait disparaître l'objet. L'objet en question, c'est le feu qui est ici. Excusez, sa caméra capote, ça arrive des fois. Donc, on regarde encore vite fait. Mais la balance, tout le reste, ça a vraiment tout été vu. On voit bien qu'il y a le feu. On va marcher. Va apparaître le son. Retarde, le feu disparaît. L'autre feu apparaît. Notre victime va apparaître. On tue la victime qui déclenche un autre script. Clip qui fait changer le temps, la météo. Et fait apparaître nos créatures qui s'affrontent pour le combat ultime. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a démontré que vous pouvez faire beaucoup de choses. Peut-être une dernière partie chaude. Des fois, ça arrive des fois que quand vous utilisez l'objet lac, il se déplace. Donc, vous allez sélectionner par accident. Prenez le temps de le repositionner correctement.
des petites choses que j'ai oubliées, des petits trucs que j'ai oublié de vous dire. Pour l'instant, ça me vient pas par la tête, mais par l'esprit plutôt, j'ai pas de choses. J'ai pas mal dit pas mal toutes les petites choses importantes, là. Fait que voilà. Au niveau des vagues, c'est la même chose, j'ai pas mal tout dit. Des vagues, j'avais parlé qu'il y avait un taux de pourcentage lorsque vous utilisez les vagues 2. Donc ici, là, quand vous... Non, juste un instant. Donc 25%. Essayez, prenez plutôt 75%. Parce que si vous choisissez seulement un mort, qui est l'option par défaut, il risque d'avoir comme trop de monde en jeu. C'est un choix qui vous appartient, évidemment. Mais c'est ça. Moi, je vous conseille au minimum 50% environ, pour question de créer une équité. La façon que vous savez que les personnages de la vague 2 vont apparaître, c'est qu'il va y avoir un message, un genre de message en radio. Vous allez entendre l'affaire genre au secours! Ou j'arrive! Quelque chose dans ce style. Je sais plus c'est quoi ce qu'il dit, la phrase exacte, mais on l'entend. Si vous avez, vous êtes rendu compte, là. Donc voilà, c'était l'éditeur de map de Far Cry 5. À vous de vous donner du plaisir. La seule chose que je pourrais peut-être rajouter, c'est que prenez le temps de faire comme tout bon artiste en soi. Prenez le temps d'étudier, allez sur Internet. Donc prenez le temps. D'aller étudier sur Internet les décors que vous voulez créer. Donc, si vous voulez créer un décor dans le désert, gênez-vous pas d'aller faire de la documentation sur le désert. Regardez des photos, regardez un peu des vidéos, des choses comme ça. Ça va vous donner une idée un peu de quelle façon modéliser dans le fond vos décors et donner ainsi un aspect plus réaliste à celui-ci. Parce qu'un artiste, que vous soyez dessinateur, modélisateur, que vous soyez graphiste, peu importe, on a tous le même œil. Puis cet œil-là, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'œil d'artiste. Puis l'œil d'artiste, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est qu'en tant que personne, on observe avec plus de finesse. On voit des détails qu'on ne voyait pas avant. Et graduellement, vous allez développer cet œil-là, cet œil d'artiste. Et vous allez voir des détails que vous ne voyez pas avant. Et ainsi rendre vos décors et l'ensemble de ce que vous allez créer d'une façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réaliste. Donc, c'était Richard, donc, pour un monde meilleur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parce que je l'ai faite surtout pour les personnes qui, un peu comme moi au départ, n'avaient pas de véritable livre d'instruction. Excusez. Étant une personne autodidacte, j'ai su, dans le fond, décortiquer, dans le fond, l'ensemble de cet éditeur de map. Par chance, j'avais déjà fait des maps à l'époque pour un autre jeu qui s'appelle Half-Life, donc au début des années 2000, en 2010, si je ne me trompe pas. Donc j'ai déjà fait, mais c'était avec un autre éditeur de map qui s'appelait Warcraft. C'était complètement différent à l'époque quand on fallait faire la modélisation complète des décors. C'est pour ça que je me suis familiarisé pendant 2 ans. J'avais étudié comme un fou pour étudier justement ces fameux Trigger-ons, Trigger Multiple, pour pouvoir ensuite faire l'édition de script, etc. Mais considérez-vous chanceux, vous avez un éditeur vraiment de haute qualité qui vous permet de vivre au fur et à mesure l'aventure, au feu que vous créez. C'est ce que j'adore de cet éditeur-là, justement. Parce que tout vit, tout bouge, tout. Il y a déjà le son ambiance, d'ambiance est déjà là. C'est pas comme quand on faisait des maps à l'époque, il n'y avait aucun son, il n'y avait absolument rien, c'était vide total. C'était juste un conjoint qu'on voyait dans le fond, le résultat final. Là, tout vit au fur et à mesure, j'adore ça. Donc, bravo Ubisoft pour ce bel éditeur de map. C'est sûr que vous avez des choses à corriger. Oui. Donc, si vous n'avez pas vu cet éditeur. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais dans le fond vous écrire de toute façon cette semaine. Encore une fois, pour que vous puissiez corriger ces bugs-là qui sont en rapport avec les zones, en tout cas, ce qui est en rapport avec la lumière. Il va falloir que je regarde les noms exacts. Je regarderai ça, puis je vais vous dire ça en détail. Sur papier, si je peux dire, et donc vous envoyez ça par la poste.
Et donc j'espère que vous allez corriger ces petites erreurs. Et surtout, vous allez faire aussi ces petits plus que je vous ai demandé, dans le fond, dans la dernière fois que je vous ai écrit, donc la semaine passée que je vous ai écrit. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo encore une fois. N'hésitez pas à inviter vos amis à voir ces deux vidéos qui sont dans le fond consacrées à l'éditeur de map de Far Cry 5. J'espère que cela vous aura été utile. J'espère que j'ai hâte de voir vos maps. Et je n'ai pas, si vous faites des belles maps, des choses de me faire de me mettre ça dans les commentaires de la vidéo là, pour que je puisse aller voir votre travail. Je suis un peu comme votre professeur aujourd'hui, fait que j'ai goût de voir qu'est-ce que vous allez avoir créé grâce à tout ce que je vous aurai appris. Je ferai peut-être une autre vidéo, peut-être, pour donner des petits trucs comment faire des montagnes, des choses comme ça. Donc, on rentre plus dans le détail artistique un peu. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé surtout des outils. Enfin, ça sera peut-être une idée pour une prochaine fois. Donc, c'est ça. Je vous souhaite de passer une belle soirée ou une belle journée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de faire un beau petit pouce bleu. Et à la prochaine. Toudou. Au revoir.